Let's go. 8 joueurs. Et moi qui osais dire que le serveur était mort. Eh, pas autant d'AFK que ça. Hein. Eh, bonsoir. Ah. Ah oui, c'est vrai. La dernière chose que j'ai fait sur le serveur avant de partir, c'était d'aller miner de la Blackstone, puisque... Eh ben donc ça... Oh! C'est vrai que j'ai eu une petite commande d'Oran. Hein. De Oran et puis de... Et de Red Tox. Ah bah d'ailleurs, on va aller faire ça, tiens, avant de commencer. Red Tox a fait une déco, apparemment. A fait une déco sur le... Putain, mais je sais pas comment les mettre, c'est nul! Bon, on va mettre ça comme ça. Apparemment, Red Tox aurait peut-être commencé sa déco. Dans la ferme à Witch, on va aller voir ça vite fait. Merci Laser pour ta 14e mois, le sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous voyez que mon... J'ai de la Gilded Blackstone partout, mais personne n'en veut, évidemment. Parce que tout le monde s'en branle de la Gilded Blackstone, mais bon. Elle a le mérite d'exister. J'ai plus de basalte non plus. Tout m'a été pris. Oran en a besoin. J'ai plus de sable, j'ai plus de gravier. C'est... Ce magasin tombe en ruine. Vraiment. Mais c'est le stack de diamants. Une semaine, un stack de diamants. Écoutez, je pense que... Eh, niveau profit, on est pas mal du tout. Hein. Si on retire les 22% que prend l'URSSAF, franchement, on a moyen d'être auto-entrepreneur. Hein. Comme vous pouvez voir, mon ordre d'entrée, c'est tout propre aussi. Donc en fait, j'avais menti. J'ai joué hors stream pour aller miner de la Blackstone. Et actuellement, du coup, Blackstone, je suis à... Roulement de tambour. Bientôt 350 000 de Blackstone miné. C'est pas mal du tout, Starfire. Pas mal du tout, Starfire. Allons voir le cuir. Bonjour. Heureusement qu'on a la Blackstone pour nous maintenir. C'est comme moi avec Minecraft sur Twitch. Heureusement qu'il y a un truc qui maintient la bouée hors de l'eau. Et là-dedans peut-être? Alors peut-être! Voilà. Donc on a la preuve que la bouffe est plus rentable que le cuir. Personne peut prouver le contraire maintenant. Enfin, personne peut dire le contraire, pardon. Je sais pas comment il en fallait, mais on prend. Ouais, regardez. C'est de la viande qui est là-dedans depuis quelques mois. Elle va être encore bonne. Hein. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Oh, j'ai pris un stack en trop. Oh. Ça, c'est de la bonne bouffe, ça. Avec ce truc dégueulasse, là, putain. Salut, Cédric. Ça va nickel, merci. Ah, cette zone commerciale, vraiment, je la trouve incroyable. Bon, tout le monde a fait ses petits magasins maintenant, donc ça commence un peu à... Je vais pas dire tomber en ruine, mais ça commence un petit peu à se calmer. On a les magasins de Vartruc ici. C'est la fin. Bon, regardez, ça vient d'avancer, on est donc un waouh. Insane. Merci SpeedVS pour ton 15e mois le sub, merci beaucoup. C'est gentil. Joyeuses fêtes à tous, bien sûr. Évidemment, c'est vrai que c'est le premier stream Olicube depuis les fêtes, donc j'espère évidemment que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien profité de la familia et de toutes ces belles choses. Et que le nouvel an sera sympa pour vous. Après, rappelez-vous évidemment que il ne faut pas faire n'importe quoi. Allons voir vite fait la ferme à Witch du coup. Voir ce que Red Tox a fait. C'est là le prochain tribunal. Probablement. Écoute, ça fait un petit moment que je ne suis pas trop les... C'est dégueulasse. Ça fait un moment que je ne suis pas les infos du serveur. Donc je sais pas trop ce qui est prévu. Tu n'as même pas de gants pour éviter ton coffre de viande dégueulasse. Écoute, sur le serveur, il n'y a pas de Covid, donc c'est bon. Du coup, ça passe. Hop, allons voir vite fait cette petite ferme à Witch. Oui, il y aura la salle d'enchères, oui. Mais bon, on n'a pas de nouveautés sur ça, du coup. Salut Noah. Ça passe, mais oui, ça passe. C'est bon. C'est de la viande récupérée avec amour, qui est stockée dans ses shulkers depuis quelques mois, qui ne sont pas réfrigérés, donc c'est clairement de la viande de qualité. Hein.
si la viande a survécu tous ces mois sans glace, c'est que c'est de la viande, mec. C'est comme les Russes, hein. C'est de la viande qui bat des ours à main nue, hein. Dans le fumoir. Hein ? Non, mais la viande, elle est dans le grenier, on va dire. Bah, y'a rien branlé. Regardez toute cette Blackstone que je lui ai minée. Regardez. Et même pas, ça a avancé. Red Tox, tu me dégoûtes. Ça va être quoi son excuse ? Blabla, j'ai une famille. Non, mais c'est bon aussi. Ça va, eh oh oh. Pas nous prendre pour des billes, nous, hein. Bon, bah, dommage. Merci Picalia pour ton 7ème mois, merci beaucoup. Il dégoûte tout le monde. Ça dégoûte. On lui offre tout ce qu'il faut pour faire un truc incroyable. Et même pas il s'en sert. Alors là, vraiment. Et croyez-moi, je suis un professionnel du build. Hein. Non. Non, non. Bon, est-ce que... Ah oui, ça joue. Oh, on a des bonnets. On a des bonnets. Ah, c'est trop mignon. Mais c'est de base sur le skin. Ah, c'est trop stylé. J'avais jamais vu. Trop stylé. Hop. Allez, on range ça. Des petits chats qui sont dans la maison depuis quelques mois, hein, qui n'ont pas été nourris. Mon ascenseur qui ne marche plus depuis un petit moment aussi. Oh mon dieu, mais... Ça tombe en ruine, ce truc, je vous le dis, moi. Ça tombe en ruine. Ça tombe en ruine, cet enfer. Ah putain, mais j'en ai un là. Je cherchais des beacons la dernière fois, et puis en fait, j'en ai un là. On dirait un levier de vitesse, son bonnet, ton bonnet. Ouais, un levier de vitesse, ouais, c'est ce que j'aurais dit, ouais. Tu vois, c'est un peu ça, ouais. Mais pourquoi je l'ai pas posé celle-là ? Bon bah... On va poser ça là, on va mettre ça ici. C'est vrai que j'ai pas... Du coup j'ai pas rangé ça. Attends. Déjà ça. Hop. À balle de bloc. Ouais, voilà. Voilà, quand je vous dis que je suis allé miner un petit peu, voilà, vous avez la preuve. Hein. Comme quoi, vous voyez, c'est du travail maison. Hein. Je ne mens pas quand je dis que je récupère de la blockchain à la main. Hein. Et bon, on va aller faire un tour à la ferme à XP, vite fait. Si elle tourne. Bon, je sais pas si c'est que moi, mais depuis que je suis beaucoup sur Twitch, impossible de regarder un chat YouTube. Un chat YouTube ? Comment ça un chat YouTube? Tu parles quoi, des commentaires ou vraiment des chats de live? Un certain Calibredos, bien connu des familles. Alors ça, c'est de tout. Ça, c'est un autre jeu. Et combien de cassés? Alors, sans vous mentir, je pense que... Attends, y a pas moyen de savoir ça? Attends. Dans les stats, on peut pas savoir. Time broken. 9! J'ai pété 9 picas en exorite. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. J'ai pété 9 picas en exorite. On appelle ça, voilà, ne pas faire attention. Hein, c'est... Ça m'arrive très souvent, malheureusement. C'est honteux. Ah bah, c'est ça d'être nul, hein, vous savez. Je vis avec ça depuis des années, donc... Je vais vous faire un tutoriel, hein, pour savoir comment être nul. C'est pas compliqué. Hein. Croyez-moi. Hop. On va muter le son. Enfin, baisser le son au moins. Non, on va baisser le son. Et combien de blocs? Combien de blocs pétés? Bah, c'est compliqué en vrai. Hein. Merci Pitops pour le subwoofer à nous. Hein. Bah, après, vous pouvez voir ça comme ça, je pense. Hein. Après, time used. On est à 900 000 blocs, du coup. Ça doit être ça. Ouais, ça me semble pas déconnant, ouais. Ouais, donc j'ai dû péter 900 blocs avec.
900 000, pardon. 900 blocs, c'est pas ouf. Et j'ai utilisé 21 000 stones. Ah ouais. Putain, mais quand j'utilise de la stone, en général, c'est juste pour reboucher ou ce genre de choses, quoi. Les blackstone avec les piglins, c'est nul. C'est pas que c'est nul, c'est que ça prend... Il faut vraiment rester AFK un bon moment pour avoir... avoir pas mal de réserves. Alors que là, quand je l'ai miné la dernière fois, j'ai fait... attends. J'ai fait... J'ai dû faire 15 ou 16 shulkers en 3 heures. Donc ça va. Il est en train de grimper sur mon fond vert. Non mais... Ouais, parce que du coup, même si je me sers pas de mon fond vert actuellement, je m'en sers comme d'une barrière de protection pour le son, pour pas que ça résonne trop. Ouais, je sais, c'est... Je l'ai acheté de base pour faire un fond vert, mais je m'en sers de mur en même temps. Ça marche comme ça. Ah. Chat YouTube reprend une phrase de la vidéo en ajoutant XD. Score. D'ailleurs, je vous donne l'info maintenant, je la redirai tout à l'heure en fin de stream. Pour ceux que ça intéresse, à partir du 1er janvier, pour bien commencer l'année évidemment, pour vous ayez un petit cadeau pour 2021, même si c'est pas vraiment un cadeau, les gens s'en branlent, mais je vous le dis. À partir du 1er janvier, je vais m'occuper de mettre les VOD de Holycube sur YouTube, sur la chaîne secondaire de VOD que j'ai. Actuellement j'en ai 72, celle-là c'est la 73ème, enfin c'est le 73ème live. Donc si ça vous intéresse, il y aura toutes les VOD Holycube sur YouTube, pardon. Voilà, pour ceux que ça intéresse bien sûr, hein. Parce que je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais au moins, même si ça vous intéresse pas, vous avez l'info. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Cool, ouais, voilà, c'est ça, c'est juste cool. Salut de PC. Voilà, non, c'est tout, c'est juste ça que je voulais vous dire. Histoire que vous ayez l'info. Petite vidéo de YouTube sur Holycube. Ouais, c'est pas mal. Une par jour. Ouais, je vais rester à une par jour. Parce qu'en vrai, je vais essayer de mixer aussi les VOD de Cyberpunk que j'ai. Je pense que je ferai un truc du style VOD de Holycube vers 16h tous les jours. Pendant 2 mois, du coup. Deux mois et demi. Et faut que j'aille déposer ça. Et après, bah ça se fera au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut que je rattrape surtout les VOD d'Holycube. Comme ça, on fait un rush Holycube pendant 2-3 mois de VOD. Et après, il faudra que je mette tout le reste que j'ai. C'est-à-dire que j'ai toutes les VOD de Professeur Letton à mettre. Sur les 7 jeux que j'ai fait, j'en ai mis que 2 sur la chaîne secondaire. Donc il me reste 5 jeux Letton à mettre en VOD. Donc ça va être long. Mais j'essaie de faire ça bien quand même. Même si, après, c'est vrai que les VOD, bon, je vais y aller vraiment... je peux pas vous mentir que les VOD vont durer entre 3 et 4 heures à chaque fois. Hein. Donc c'est des gros trucs. Mais je peux pas me permettre de toutes les prendre, les réduire à 1 heure à chaque fois. Parce que ce serait trop chiant. Enfin, je verrai pour Layton. Mais pour Holycube, faudra charbonner et juste vous taper des VOD de 4 heures tous les jours. Il y a Z qui avait dit cette année c'est all e-cube. Ah oui, non, mais il y a des trous partout. Cette année on a fait des trous partout sur l'e-cube. Les tonnes brutes aussi, je pense. Bah, les tonnes brutes, ça fait pas tant de VOD que ça. Ça fait, si je le mets brut, ça fait 5 VOD à chaque fois. 5-6 VOD à chaque fois. Alors que si on fait des VOD d'une heure, bah c'est plus agréable. Surtout les tonnes, parce que les tonnes c'est lourd quand même. Hein. Les tonnes c'est assez lourd. Hein. Se taper 4 heures de suite, c'est très très lourd. Hein. Salut gros lot, ça va nickel, merci. Tu marches pas beaucoup là, je vais passer à 9h de cours par semaine, ça risque d'être chaud car je m'ennuie à force. Bah écoute, moi je donne juste l'info que c'est là. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez juste me dire ok c'est cool bro, ou vous en servir, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Attendez, je redonne juste ça et je la pose, parce que j'avais oublié de la poser. Tac. En fait, le plus chiant dans le farmage de Blackstone, c'est pas forcément le minage, c'est vraiment de renommer chaque shulker une par une. Mais bon, c'est mon business plan. C'est comme ça que je fonctionne. Allez, allons au musée. Surtout quand tu peux pas interagir comme un live.
Bah, c'est, ouais, c'est le principe des VOD après. Hein. Après, c'est le truc, c'est que je ne suis pas assez huge pour avoir quelqu'un pour faire des best-of, on va dire, de mes lives. Parce que ça coûte assez cher de passer par des services tels que OK Media ou ce genre de choses. Et après, faut être motivé. Hein. Faut être motivé pour regarder des VOD pendant des heures et en faire des best-of. Plus tard, peut-être, quand j'aurai un salaire de médecin, en jouant en slip chez moi, pourquoi pas, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai un salaire de mec classique. Bon. Ce petit musée-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Alors, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on s'occupe de cette salle. Et du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu, du coup, hein, je vous remontre notre couloir. En vrai, il est bien. Quand on le regarde une semaine après, il est bien. En fait, c'est quand t'es dedans, tu trouves que c'est moche. Mais quand tu reviens après, je trouve ça joli en vrai. Hein. Je trouve ça vraiment beau ce qu'on a fait. On appelle ça la rentabilité. Mouillé ou pas mouillé? Bah, faut que ça soit rentable, c'est ça. Faut que ça soit rentable de faire des best-of. Moi, YouTube, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis. Hein. Je fais, en général, je fais 100 balles tous les 3 mois sur YouTube. Donc, et croyez-moi qu'un mec qui fait des best-of de live YouTube, il coûte pas 100 balles tous les 3 mois. Ça peut être 14 VOD pour une minute de best-of. Ouais, ça peut être ça. Hein. Alors déjà, ce qu'on peut faire ici, ça va être de faire un contour du coup en Blackstone Brick, comme on a partout. Avoir une espèce de ligne directrice sur la Blackstone Brick, qui peut être pas mal du tout. Donc on peut au moins faire ça déjà. Tiens, je vais me faire de la réserve. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, il faut que je prenne ça et que je fasse des petits détails ici et là. Ça va rendre bien comme ça. Ouais, tranquille. Tranquille. Après, est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Du coup, paf. Comme ça? Ouais, si. Ça fait moins cassé. Hop, faudra aussi que je prépare la salle pour les têtes de tous les joueurs du serveur. Il y a ça aussi à prendre en compte. Là, tu fais des best-of avec des clips Twitch, donc si les gens veulent des best-of, il faut clipper. C'est ce que j'ai déjà actuellement sur la chaîne, qui sont montés par Tigre de Poche. Mais je parle vraiment, par exemple, de faire des VOD sur, je sais pas moi, une soirée spéciale, ou juste, tu vois, tout con, mais par exemple, les trucs sur Pixelmon que je fais. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire des VOD sur YouTube. Hein. Parce que c'est pas forcément très intéressant tout le temps. Mais faire des best-of, ça aurait pu être ne pas con. Enfin, ça aurait pu être ne pas con. Oh putain, mais j'arrive. Ça aurait pu être ne pas très con. Ah, j'arrive plus à parler. C'est un enfer. Oh, envie de crever. Ça aurait pu être intelligent. Ok. Ça dégoûte. Ah, ça dégoûte de pas savoir parler comme ça. Ça dégoûte. Ah la vache! Enfin bref, voilà. Ça aurait pu être bien. Mais bon. Ça aurait pu ne pas être con. Ouais, ça aurait pu être, ouais, c'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, mais après, bon. Après, vous savez, bon. Comme je l'ai pas dit très souvent, mais j'ai pas forcément des. Je suis pas très français à la base. Hein, c'est mon prénom, c'est Jim. Hein, je suis un américain, vous savez. Yes, we can, all American. Bon, forcément, je parle pas forcément très bien le français. But I try, you know, I try. Alors, Hypierre, c'est pas que le truc que t'as mis ici est dégueulasse, mais on va mettre un autre bloc. Hein. On retourne dans ton pays. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et quand le prochain rendez-vous chez l'orthophoniste? Bah, j'ai pas encore regardé, puisque avec le Covid, c'est compliqué. Mais il va falloir que je tarde. Hein. Parce que bon, c'est vrai que... C'est vrai que c'est. On voit les complications, quoi.
C'est pas mal comme ça. Oh, ça fait presque un petit cœur. Oh, c'est mignon. Ouais, le yes we can, à l'américain. Le week-end, je mangeais McCain avec ma best friend. Ah, j'ai une grande culture musicale, vous savez. Ça va trop vite. Alors, ça fait quoi d'avoir Biden en président? Bah, écoute, au moins, on a plus Trump, quoi. C'est cool. Bien que Trump, c'est vraiment un bon gars, hein, ce Trump. Hein. Oh là là. Ah, je l'aimais bien, Trump. Hein. Ah ouais, c'était vraiment un bon pote. Hein. Ouais, franchement. Alors, attendez. Faut juste que je vois comment j'ai fait, du coup, ici. Ouais, ça, c'est à chaque bord de cage et au milieu, on met un truc plat comme ça, ok. On va essayer de garder cette idée. Enfin, non, du coup, c'est vrai, non. Ouais, non, c'est ça, ok. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah, galé. Salut, c'est de l'eau. En vrai, Trump, c'est un gars bon délire. Non, franchement, c'est un frérot, tu vois. Une fois, je l'ai croisé dans la rue, j'ai fait « Hello, Mr. President ». Je lui ai dit « Do you have a garou ?» Il a fait « Of course ». Et putain, et depuis... Ah, c'est un gigafrère. Franchement, quand il y a des pannes de la garo là, franchement, un giga frérot. Trump, c'est mon gars sûr, exactement. Of course, c'est un français. Et of course, my dude. Après, il m'a dit, I have du bon shit de sa mère. J'ai fait, oh bah, sorry, I don't smoke du bon shit de sa mère. Mais bon. Ah mais vous savez, c'est un bon gars. C'est juste un mec incompris, c'est tout. Début de fanfic. Mais quoi, mais putain, tu dis que t'aimes un mec, faut qu'il y ait une fanfic maintenant, bah putain. J'aime vraiment bien avec Pierre, c'est vraiment un bon gars. Oh, hé lol, faites une fanfic où il lui suce le... Ok. Bonsoir à tous. Mais calmez-vous d'abord. Le plus important, c'est calmez-vous et taisez-vous. Do you want the smoke? Ah bah écoute, je lui ai demandé, hein. Il m'a fait do you want the smoke? Il fait no, I just said I don't smoke. J'ai fait ok. J'ai fait sure thing, my guy. Ah mais c'est, ouais, c'est une belle rencontre. Belle rencontre. Bon dealer sa mère. Non, justement. Fanfiction avec Pierre avec Zulu, ouais, intéressant. Mais non, mais vous rigolez, mais vous savez que ça existe vraiment. Il y en a déjà des fanfictions, hein. De l'époque avec Gil et tout, il y en a déjà. Hein. Il y en a déjà. C'est bien gênant. Si vous saviez. Vous savez à quel point c'est gênant. Pas en cours de rattrapage d'anglais LV2. Après j'en fais un peu exprès, je vais pas te mentir que... j'ai un peu la flemme de faire le bonhomme. Hein. Demande a little beer my friend. Ah yes, a little beer with a little saucisson, hein, évidemment. Bref. Ah, c'est fatigant, hein, de dire autant de conneries. Hein. Oula. Pa. Ça vous donne pas une... Quoi? Ça vous donne pas des envies, ces fanfictions? Non, pas du tout, non. C'est plus gênant qu'autre chose. Plus envie de crever à chaque fois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. T'en es dans ton musée? Eh bah écoute, j'ai pas avancé depuis le dernier stream. Hein. J'ai dit le dernier épisode. Salut, bienvenue sur YouTube. Mets la cloche. Hein. Et abonne-toi surtout. Hein. Et regarde les pubs. Pour l'instant, on a juste fait les cases pour chaque style de tête. Merde, c'est quoi déjà par ici? Ah, c'est l'end ici. Je l'ai pas marqué. Tu vas les organiser comment, les autres salles, du coup? Ben, par exemple, tout ce qui est sous-catégorie, enfin, grosse catégorie comme ça, on fera une salle ronde avec autant de cases qu'il faut. Par exemple, au style, il y en a 3, je crois. Il y a 3 sous-catégories. Il y en a 4, pardon. Donc on pourra faire... Comment on pourra faire ça? Bah on fera une salle avancée avec deux salles comme ça, deux salles de ce côté-là, et ça fera juste une salle plus grande que le reste. Alors par exemple, tu vois, les mobs passifs, bah, y a que ça. Il y en a que 11, donc on a juste à les afficher là.
Et ça ira. T'as vraiment envie d'écrire la fanfic Trump X. Non, 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 t'es pas obligé. Hein. Vraiment, c'est pas obligatoire. Hein. Pour ici, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait un prolongement? Est-ce qu'on fait un prolongement d'ici? En mode, on reprend du bois comme ça, on fait contour comme ça. Si ça va partir. Non, non, mais en vrai, c'est pas obligatoire. Hein. C'est bien. C'est bien assez gênant. De toute façon, dis-toi que si tu l'as fait, je ne la regarderai pas. Hein. Je préfère être honnête avec toi. Hein. Si tu fais ça, je ne regarderai pas. Donc, je te laisse définir, enfin, faire toi-même ce que tu veux. Mais en tout cas, sache que de mon côté, ça ne sera pas lu. Parce que je trouve ça beaucoup trop gênant. Je vais juste poser tout ça. Et on va aller chercher du boa. Oh! Mais ça a bien avancé ici. Les murs grandissent. Les viewers et Trump profiteront, putain. Trump, il a pas de temps. Il arrête pas de se plaindre pour que les votes soient recomptés pour l'instant. Il a pas le temps. Hein. Tu aurais cassé le mur. Hein? Pourquoi? Après, tiens, pendant que je fais ça, essaie de réfléchir à des idées de déco pour le mur. Pour le mur du couloir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme style de déco? Est-ce qu'on essaie de faire un petit prolongement ou en mode on fait des bords en blackstone et au milieu on remplit avec une autre couleur? Stop the count! I win! Faut voir ce qu'on peut faire, il y a plein de possibilités intéressantes. Mais ce que j'aime évidemment avec ces streams, c'est que en général c'est la guerre. Hein. C'est la guerre dans ce genre de truc. Donc n'hésitez pas à vous faire la guerre. No love ici, just war. No love, just war. Dans le couloir stonking dans le métro. Ah, des murs en basalte, genre. Il y a moyen, peut-être. Salut, Luna Nova. Pourquoi ils sont déjà dans le barbecue? Quoi? Le barbecue de la Maison Blanche, directement. Do you want a little mayonnaise? With your barbecue? Y'a pas une table de craft ici? Non. Merde. Qu'est-ce que je fais? On y va. Alors, il va falloir qu'on se fasse des petits tonneaux. Parce que je trouve dans les ascenseurs, les tonneaux, c'est les plus beaux murs possibles. Donc on va se faire des tonneaux. Chez Bazon, il y a une prank normalement. Bah ouais, mais c'est la prank de Bazon, c'est pas la mienne. Donc je n'ai pas à y aller. Ça, je sais pas si c'est nécessaire du coup d'avoir des blocs. Attends, déjà on va faire ça. Les murs en rouge, ah, on est d'accord. Salut Nikki. Ah
Vraiment dégueulasse ce qu'il a fait. Hein. Ah ! Ça va. Une petite musique d'ambiance dans l'ascenseur. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de place déjà, donc faut que je fasse avec la place que j'ai. Alors ce bloc là, on va le changer, on va mettre ça. Attends, dans quel sens je vais le mettre? Comme ça? Ouais, comme ça, parfait. Ça va forcément très beau, mais j'ai pas le choix en fait. Puisque... Mais pourquoi il y en a un deuxième là? Alors, l'ascenseur ? Putain, mais il devait me faire un système pour ça, mais il me l'a pas fait, ce con. Putain, je l'ai payé entièrement, bordel, mais je suis trop... Mais pourquoi je fais pas attention au travail qu'il fait ? Regardez, il fait du travail dégueulasse. Il m'avait dit que je te ferais un système de retour. Bah non, tu l'as pas fait. Oh là là. Mais non, mais ça marche quand t'es... Où est l'ascenseur, hein, tu vois. Ça, c'est pas gênant. Ah. Maybe I broke the ascenseur. Mais pourquoi ça marche pas? Il m'a fait un travail de sagouin, celui-là. Il m'a fait un travail de sagouin, celui-là. Oh, il m'a fait un travail de sagouin, celui-là. T'as pas vérifié le travail. Mais je lui faisais confiance, c'est mon collègue à la... Oh, merde. C'est mon collègue. It's my colleague. For fuck's sake. Moi je lui ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Et c'est comme ça que tu travailles? Pas possible. Quelle erreur de joueur français. Bah merde. Bah ouais, en vrai j'ai juste à activer le truc. Enfin le... Aïe. C'est quel... C'est lequel? Bah c'est celui-là. Normalement c'est bon. Ah mais du coup... Ah mais du coup là c'est collé, c'est... Ok. Mais attends, mais ça sert à quoi ce truc là? Là du coup... Ah d'accord. D'accord. Mais what the... Ça n'a aucune logique, Michel. Aucune logique. Ah mais je comprends pourquoi. C'est bon, j'ai trouvé. Du coup c'est toi qu'il faut que j'actualise. C'est bon, j'ai compris mon erreur. Mon erreur a été comprise. Je l'ai compris. En fait c'est juste que là, il faut que je remette un... Voilà, faut que je mette ça au dessus. Et techniquement si j'ai fait ça bien... Oui. Let's go. J'ai compris mon erreur. Yes! C'est bon. C'est bon. Mon erreur a été comprise. Non. Pas comme ça, Zinedine. Pas après tout ce que tu as fait. Mais j'ai envie de casser un truc. Je peux casser un truc? Besoin de blocs non collants en haut sous tes pieds. Quoi? Écoute, moi, vous savez, j'adore la redstone. Mais j'ai mes limites. Donc là, normalement, IPR Gaming est censé avoir fait un truc qui marche. Moi, je le trust. Et pourtant, je suis pas antisocial. Je vous laisse le temps de la comprendre. Et d'avoir la ref.
Perdre ton sang-froid. Exactement, bien vu. Vous savez la ref. Bravo. Oh, je suis mauvais en jump. Je trouve ça tellement mieux un ascenseur comme ça. Je comprends pas. T'as pas la rêve d'antisocial? Oh. Une musique d'un groupe de rock français. Groupe de punk. Attends. Enfin, c'est un groupe rebelle quoi, merde. Très axé sur la politique. Très sympathique. Il y avait tendance à dire qu'on perdait notre sang-froid. Et quand on pense à toutes ces années de service. Bref. Alright. Ah! C'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est vrai que c'est pas vraiment la même chose, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Il m'a fait ça. Hein. J'ai mal à comprendre comment il m'a fait ça, ce con. C'est vraiment du travail de sagouin, ce qu'il nous a fait. Hein. C'est vrai qu'on voit bien quand même, hein, c'est assez visible hein, la différence. Hein. Bah du coup, s'il me l'a pas fait, je vais peut-être me la faire moi-même. Hein. Peut-être me la faire moi-même, hein, le raccordement. Et il a donné ce bon Zephyr. Bah écoute, j'aimerais le savoir tout comme toi. J'aimerais savoir ce qu'est devenu Zephyr, mais je pense que... Ouais, moi la théorie que j'avais, je pense vraiment que c'est juste qu'il a... Il a dû vivre un mauvais truc sur Internet. Et ça l'a juste dégoûté d'Internet. Je pense vraiment que c'est ça qu'il est arrivé. À Zephyr. Le pourquoi il est parti. Je pense juste qu'il lui est arrivé quelque chose de mauvais ou un truc... Un truc qu'il a pas forcément apprécié, tu vois. Et il s'est juste dit, bah je me casse en fait. J'ai moyen de faire un truc un peu plus propre ici. Bon, ça, on va faire ça. Ouais, non, on va laisser comme ça, c'est bien. Faudrait que j'éclaire un petit peu aussi. Non mais c'est juste un ascenseur à redstone bien sûr. Mais c'est juste que... J'ai un peu de mal avec les ascenseurs sur Minecraft. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai du mal. Va savoir pourquoi, j'ai du mal. J'ai cherché de la redstone. Hein. Salut Blancine, salut Kent. Excusez-moi, vous auriez vu de la redstone par ici? Si j'en ai besoin pour un projet. Ah oh bah. C'est quoi tout ça? Pourquoi c'est pavé ici? Parce que c'est pas... Peut-être à cause de son dernier KTP. Ça, j'en sais rien.
Pourquoi c'est pavé ici? Hein? Ah, mais il y a un truc en dessous. Ah, non! Ah, mais il y a un truc là-dessous. Qu'est-ce que... Oh là 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 là, j'ai peut-être pas resté là-dedans, moi. J'ai envie de faire tout exploser. Ah, c'est le métro! Ah oui, bien vu. Vous auriez vu de la... Vous avez vu de la redstone? Ah! Mais bordel! Je couche combien? Je couche 14, c'est bon normalement. Je vais essayer de rien casser du coup. Putain, mais il me faut un pet de redstone, je demande pas non plus l'homo. Ah, merci. Merci. C'est bon, on peut remonter. L'usine à Witch. Mais elle est trop loin, l'usine à Witch, elle est chez moi. On est loin de chez moi là. Ouh! Eh ben. Tant de bordel juste pour de la redstone. Que j'ai même pas miné comme il faut du coup. Ah là, avec ça on devrait avoir ce qu'il faut. Alors comment il a fait ça ce sagouin? Ok. Et du coup faudrait faire un fil qui descend jusqu'en bas. Qu'on va prendre à partir de là je pense. Attends, il fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ça va être chaud hein. 7, 8. Voilà l'arnaque. Voilà pourquoi je peux pas le faire. Ou alors faut que ça parte de l'autre côté. Oh merde. Comment je vais faire ça? Ouais, faut que je parte de l'autre côté. Donc genre là. Hop. Ya yeet. Non non. C'est comme une inauguration. Bah faudrait le finir déjà. Objectif, que ça soit inauguré à la fin du serveur. Avant la fin du serveur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. 12. Allô. 12. 13. Attends, elle est où la fin? Elle. Ouais, falloir que. Il va me falloir un repeater. Bon. Il va me falloir un petit repeater. C'est l'objectif. Ah, mais écoutez, les gars. Je préfère être honnête avec vous plutôt que vous dire ouais, la semaine prochaine, c'est bon. La semaine prochaine! Ah les mecs, ça, genre on va y croire quoi. Hop là, voilà. Faut juste qu'on fasse un vieux fil de redstone qui rejoint le truc en bas, hein, c'est tout. Salut Apollo, les bonnes fêtes hein. Eh oui, les bonnes fêtes à tous hein. En espérant que les fêtes qui sont déjà passées se sont bien passées. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non. Allez! Tac. Voilà. Techniquement, avec ça, c'est bon. On va voir. Hop, je l'envoie en bas. Allez!
Voilà. Tout simple. Simple as hello. Et du coup, pour en haut, il faut que je fasse la même chose. Mais bon, on peut faire avec des torches, ce sera plus simple. Et en gros, on peut faire en sorte que... Ah. On peut faire en sorte que ça fasse ça, tiens. On peut faire en sorte, du coup, comme j'ai dit, que le qu'il y a une torche de redstone en dessous et qui allume ce truc-là. C'est tout. Meilleur que les pierres en redstone. Ah bah, pour le coup, là, oui. Hein, en même temps, c'est pas compliqué. Enfin, quoique, je peux peut-être pas faire ça comme ça, puisque en dessous, là, directement, il y a quelque chose. De toute façon, j'ai pas assez de redstone pour faire ça, donc... Oh, le vieux dédale de mes deux, là. Oh mon... mais quel enfer. Ya yit ya yit. Et merde. Voilà, on arrive là comme ça. Donc en vrai, déjà on va dégager toutes ces merdes là. Ces vieux blocs de glaze terracotta tout dégueulasse là. Tu me dégages ça. Pour la beauté du truc, quoi, merde. On n'est pas là pour faire des trucs dégueulasses. Enfin. Enfin, on essaye au moins. On essaye de pas faire des trucs trop dégueulasses. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir fait ce qu'il a fait là? Putain, mais c'est vraiment un sagouin, hein. C'est vraiment un sagouin, ce high pierre, hein. Sauf que le répéteur va bloquer l'accès au piston qui active l'observeur. Donc l'ascenseur ne va pas descendre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, faut que je trouve une autre façon de faire. C'est déjà là, on se dit qu'on récupère le signal ici. Donc il faudrait que j'emmène le signal... c'est quoi ça? Ah oui, ici c'est le contour, ok. Donc jusqu'à là, je peux pas. Ah putain, mais ça va être un enfer. Hein. Vu que j'ai fait n'importe quoi avec la redstone. Si tu changes ton bouton de côté, tu peux réutiliser le même fil qui remonterait. C'est pas con. Ou alors ici. Merde. Qu'est-ce que je peux péter et qu'est-ce que je peux pas péter? Ah, bonjour. Ça, je vais pas péter. Vous savez ce qu'on dit dans la vie, hein. Quand ça rentre pas, faut forcer. Merde. Ah, mais j'ai pas assez de place. Ah, j'ai pas assez de place, dommage. J'aurais bien aimé forcer un petit coup, là. Ah, ça passe. Comment qu'on peut faire ce... Si au pire, on met une torche quelque part et qui renvoie le signal tout en haut. Comme ça. Et on est bon. C'est vrai, ça qu'il y a ce signal là aussi, ouais, c'est vrai. Ça, du coup, on peut le retirer. Voilà. Salut, je sais pas. Tu veux juste mettre ton bouton avant ton répéteur d'en bas. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Et du coup, le bouton là, on va dire qu'il faut qu'il a... Attends. Vas-y, Michel! Ok, c'est bon. On peut dire, par exemple, que là, on se cale une torchette qui va envoyer... du coup, faire une double torchette. Normalement, ça devrait pas déranger ça, donc je peux faire ça. Hop. Et du coup, on en remet une deuxième là. Voilà, tout simplement. Et là, on se fait ça. Hop.
Normalement, c'est bon. Non, ne fais pas ça. Bah, écoute... écoute, ça marche. À tester, attention. Oui. Je comprends pourquoi le nom, maintenant. Oh, merde! Ah. Oui. Bah oui. Bah oui, non, mais non, je suis bête. Bah oui, bien sûr. Faut mettre un... Ah, bah oui, bah voilà. Bah, non, mais, bah voilà, bah c'est tout cassé, maintenant. Faut que je mette un repeater ici. Du coup. Attends. Non, c'est même pas ici, faut que je mette un repeater. Voilà pourquoi le nom. Ah non, mais c'est compréhensible, c'est compréhensible. Bah après, c'est pas un problème trop gênant. C'est juste qu'il faut du coup que... Ah, donc si, faut que je mette un repeater. Mais, oh putain, regarde, je sais comment je vais faire ça. Parce que du coup, il faut qu'on active... Attends, non, normalement, c'est bon. Attends. Où est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais, Jack. Étant donné qu'on fait pareil... Attends, mais pourquoi... Attends, ouais, j'avoue, pourquoi, du coup? Ah, je sais. Non, c'est parce que mon signal de redstone est pas assez long. Du coup. Bah ouais. Bah oui. Bah tout simplement. Non, mais c'est normal, en fait. L'erreur est toute bête. L'erreur est bête, mais elle existe, malheureusement. Mais en gros, c'est juste que là, en fait, j'ai... Switch. Attends. Ça a fait un bot switch. Ah mais oui. Bah non, mais je suis con. Bah oui, il est con. Du coup, ça fait un circuit fermé, en fait. Ah, elle est là, mon erreur. Je l'avais pas encore comprise. D'accord. C'est juste que ça fait un circuit fermé. Et du coup, ça veut dire que ça veut dire que comment je fais ça, moi? Ça veut dire que il y a un truc qu'il faut que je ferme, du coup. Toi, tu galères, moi je vais me faire une pizza. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Comme ça vous râlez pas pour rien. Ah oui, bah oui. J'ai fait une boucle infinie, ouais, c'est ça. Bah du coup, comment je règle ça, du coup? Comment je peux régler ça? Tac. Faut juste qu'à un endroit j'arrive à faire un blocage. Mais comment je fais le blocage? Salut Alexis, ça va nickel, merci. Oula, pourquoi je galère comme ça? Salut Kilaos. Je vais essayer avec un observer qui envoie juste un pulse. Pour ici? Ouais. Faut que tu détectes quand tu appuies en bas, ça te coupe ton signal venant d'en haut. Répète en haut. Tu le bloques avec un piston ou autre. Celui-là, du coup. Celui-là ou celui-là-haut? Ah, ou alors ici, je mets un piston en dessous qui retire le bloc, du coup ça peut pas s'actualiser. Ah, on peut faire ça. Est-ce que j'ai des pistons là-dedans? Ça m'étonnerait, parce qu'en plus il me faut un piston collant. Ah, j'ai pas de piston. Non, mais c'est vrai qu'on peut faire ça, genre. J'appuie sur le bouton, ça active le piston qui retire ce bloc-là, et du coup, ça envoie le signal. C'est un manque de redstone. Bah, vous savez, je vais aller en acheter chez Baz. C'est un plus simple. Mais vous savez, j'aime me prendre la tête. Moi, le plus important quand je joue à Minecraft, c'est de me prendre la tête. De m'emmerder au maximum. Si j'ai pas cette sensation-là, ça sert à rien. Ah. Ah oui, merde, j'ai pas débloqué là. Quel con.
Non. J'ai pas actualisé le bon. Merde. C'est l'autre que je devais actualiser. Putain. Va-t-on y arriver à un moment? Là, celui-là. Oh merde. Quel dégoût. Attends mais what? Mais non, c'est celui-là que je dois activer. Mais ça n'a aucune logique. This game have no fucking logic, man. Non mais ça... Mais, putain. Mais je l'ai tapé le bloc... Fuck. Merde. Ah, tout va bien. Ah, du coup là, faut que je mette un... Oh oui, truc bien chiant. Parce qu'avec le PC, quand ça bug, tu refais la même chose. Ah oui, mais ça n'a pas de logique. Bon allez, allons acheter quelques pistons et quelques saloperies. Bon bah heureusement qu'on devait s'occuper du musée, hein, c'est cool. J'arrive à trouver autre chose à faire. Ah vous savez, je suis le pro pour éviter les trucs à faire. Moi je... Ah, l'ascenseur il déconne. Bah écoutez, on va s'en occuper maintenant. Hein. Quel enfer. Nous allons trouver... Nous allons trouver un calme... En nous. Après, il y a un point d'interrogation. Ah, bah ça, bah, ouais. Je crois qu'il est mis pourquoi le point d'interrogation. Il est pas là pour rien. Hein. Salut la poule qui mue. Ça va nickel. Le musée a tellement avancé. Ah, tellement. Mais franchement, on n'est pas là pour déconner ici, hein. Oh, me sens pas bien. Oh, une poubelle vite. Le RP, j'adore le RP. Ah, je me sens pas bien. Hop. Ah là, ça va mieux. Ouf. Heureusement que Steelers a fait ses magnifiques poubelles. Si tu évitais de faire le musée, tu peux faire un jeu au guessor sur les... Non, jeu au guessor, j'en ferai un demain, je pense. Ah. Je pense qu'on en fera un demain soir, un petit jeu au guess. Histoire de changer un petit peu. On en achète 16, hein, c'est peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas grave. On prend des repeats. Vas-y. De faire le musée, tu peux... j'ai déjà lu ça. Genre, j'aime bien relire deux fois les mêmes messages, j'ai l'impression, je suis un peu con. Alors du coup, là on met un piston sur le bloc transfert, comme ça ne transfère pas. Et normalement, ça règle notre problème. Normalement, ça devrait régler notre... Aïe! Ça règle notre souci. Tu as cette place en bas, à partir de ton bouton, tu mets un repeater, ce signal coupe le coupleur en deux fils. Un vers le piston pour bloquer le signal au niveau du repeater tout à l'heure, et l'autre pour rejoindre ton système actuel. Ouais, sinon... Non mais après, là, avec les torches, ça devrait le faire. Avec les torches, ça devrait le faire, c'est juste que... Faut juste que je mette un repeater et le piston sur le bloc, et ça va le faire. Enfin... Faut que je mette le repeater... Pour la lampe. Pas pour le piston, justement. Le Tagax. Ça va nickel, merci. Du coup là, bah je vais passer en bas, ce sera plus simple. Et hop. Voilà, donc ça veut dire que là. Du coup, il faudrait plutôt... je vais faire comme ça. C'est quoi? Hop. Tac. Un petit détour. Comme ça, ici, je peux descendre. Aïe.
là. Et à partir de là, hop, on va se chercher de la place pour faire. Pour faire ça. Ouais. On se récupère du coup le signal. Ah mais du coup le signal faut qu'on le récupère et qu'on le bloque avec un répéteur pour pas qu'il s'active trois fois quoi. Comment on a les bonnets de Noël? Hein? Comment ça? Salut, j'ai un bug. Bah enchanté. Enchanté du coup. Ça clignote. C'est bon, ça a rien pété en haut. Donc. Ah mais du coup ça veut dire qu'attends. Je vais retirer ce fil. Du coup ça veut dire que ça il faut que je le laisse activer tout le temps. Et que justement on désactive quand on en a pas besoin. Voilà, là il est activé. Comme ça. On est comment comme ça? Putain attends. Hop. Et donc là, si je mets un bouton là, mais il revient. Tu vas faire ce que je t'ai dit avant. Quel bouton tu appuies sinon ton signal sera toujours activé voire bloqué par ton piston. Bah si ça vient de là du coup. Ah mais du coup faut que je mette un répéteur pour faut que je mette un répéteur quelque part. C'est la redstone de l'autre côté du bloc qui bloque le piston. Ah, donc celle-là en fait. Attends. On pourrait décaler le répéteur de un cran derrière. Je pense avoir compris le problème. Bah écoute. Moi justement je pensais genre. Désactiver le piston, activer ça. Comme ça, ça se désactive vite. Ah, ou alors je mets un observeur. Qu'on voit un signal rapide ici. Au niveau du bouton, signal coupé en deux. Ouais, mais je sais pas faire signal coupé en deux, les gars. Les gars, vous, je suis mauvais en redstone, hein, on rappelle. Hein. De répéteur. Bah, c'est ce que je me disais, mais du coup. Putain, mais je me prends la tête pour rien, ça saoule! Ah, je mets deux répiteurs, d'accord. Donc, du coup, un répiteur. Attends. Si on part comme ça, c'est pour ça que j'ai de la vieille cobble, c'est parce que je pète avec ça depuis tout à l'heure. Donc en gros, tu veux qu'on fasse un signal comme As, ou genre on a un signal qui part comme ça et un autre comme ça en gros. Ça que t'es en train de me dire. Enfin, un truc comme ça quoi. Appelle le maître de la redstone, mais Pierre n'est pas là, je vous rappelle. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il est en vacances. Hein. Je vois que vous suivez.
Donc là, t'as un répiteur qui part là. Enfin, du coup, celui-là, il sert à rien, mais... Mais du coup... Comme 250 jours dans l'année. Bah ça, après, les gars, c'est... Ça, vous savez comment il fonctionne, hein. Comme ça, baf. Ouais, faut pas que je mélange mes signales, je le sais bien. Non. Oh ! Mais non ! Mais non ! Ah merde, j'ai oublié la torche. Logique. Mais pire fait tape. Mais bordel, mais laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, non? What the fuck? Prends un mec dans le table. Non mais on est où là? Excusez-moi les gars, vous êtes tous des pros, j'ai bien compris, mais Ah, du coup, j'ai refait n'importe quoi. Hop. Et si ça vous intéresse pas, il y a plein d'autres streams sur internet. Hein. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Il y a aucun problème. Hein. Voilà, ça repart. Parfait. Donc là, il est arrêté. Je sais que vous aimez pas les gens qui galèrent, mais bon, malheureusement, je suis un galérien et ça, ça changera pas, hein, vous savez. Hyper l'avait pas déjà fait. Si, mais il l'a pas terminé. Il avait pas fait le signal de retour. Donc on réessaye. Ouais, c'est pas assez long. C'est pas assez long. Problème. Le problème, c'est que c'est pas assez long. Du coup. Donc ça veut dire que là, c'est la même merde. C'est que du coup il y a un piston qui s'active avant le reste. Mais c'est vrai que j'avais oublié ce détail, que je n'ai pas assez de, que ma distance n'est pas assez bonne et que là je dois remettre un piston quelque part. Enfin pas un piston, un dispenser. Ah merde hein. Faut que je remette un répiteur quelque part. Parce que du coup ça, le signal de Redstone n'est pas assez long pour ici. Ah mais c'est juste que les gens sur internet sont pas habitués à ce qu'un mec galère. Donc forcément dès qu'un mec galère, ils sont en mode mais what the fuck. Mais on est où là? Et puis on va faire un tuto sur YouTube pour faire des ascenseurs. Mais les gars, si vous ne comprenez pas le problème, n'essayez pas de le régler. Si vous ne savez pas, si vous savez pas quel est le problème, n'essayez pas de le régler. C'est tout ce que je vous demande, les gars. Je vous demande rien d'autre. Salut, Yo. Et puis, les remarques en mode « t'as jamais rien compris à la Redstone ». Encore une fois, vous n'avez pas compris quel est le problème de mon ascenseur. Mais en tout cas, ça fait giga plaisir de vous avoir. Merci à vous d'être là. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Vu qu'apparemment ça vous saoule de voir des trucs, on va aller faire autre chose. Hop, voilà. Allez, on va aller faire la déco. Alors, on va retirer tout ça. Toujours un bonheur de streamer du Holicube, en tout cas, l'ambiance est vraiment délétère. Allez, on va creuser tout ça. C'est parti. C'est parti. Comment je fais ça du coup? Est-ce que je fais un contour en bois comme j'ai fait là? En vrai, ce serait bien de suivre la même ligne. Hein. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Non,
Ah mais je m'occuperai de l'ascenseur hors stream, vous inquiétez pas. Comme ça vous vous sentirez mieux. Hop. Là. Alors jusqu'à là au moins. Après l'idée c'est de garder ce principe de tapis rouge, on va dire. Donc je pense que on va garder cette histoire, cette idée de contour en bois. Et après on fera sûrement un truc avec du tapis rouge et un intérieur blanc ou quelque chose comme ça, on verra. Je pense qu'on va faire ça. On peut dégager tout ça. On va aller chercher. Bon en vrai vous savez quoi. Hop. Hop là. Oula. Oh ce TP incroyable. Ah, c'est ce que je vais faire lors de manière, mais je le ferai hors stream, alors là-bas. Il va falloir pas mal je pense pour faire tout le contour. Donc on va acheter 3 ou 4 stacks je pense. Chez El Belgium. Belgium Guy. Ah il y en a plus. Ah non c'est du... Oh, non, c'est du non, je suis bait. Attends, c'est celui-là le spruce. Ouais c'est celui-là. Un diamant, 2 stacks. Il a baissé ses prix. Sympa. Ah. Faut juste que je trouve une idée de... Qu'est-ce qu'on peut faire au sol? À part le contour en bois et les bords, je pense, en tapis rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au milieu? Faut que j'essaie de trouver un petit design sympa ou un truc cool à faire. Tu veux, c'est toi qui vois, hein. Uzi est au courant maintenant, donc c'est toi qui vois. Hein. Vois avec elle si elle est toujours là. Hein. Mosaïque de ta tête. Oh. Faudrait voir quel espace on a, parce qu'au pire on fait une mosaïque de tête de zombie ou un truc comme ça, ouais. Oui, les portails sont verts dans le Nether, hein, parce que j'ai un ressource pack qui fait ça. Seul en gâteau, putain. Secours. Donc ça, pour après, pour les... Ouais, pour les... Ah après est-ce qu'il faudrait pas que je fasse des trucs comme ça pour les bords. On va au moins recaler les torches parce que bon. La dernière fois que j'ai pas mis de torches, il y avait des creepers, ça avait explosé pas mal de trucs. En vrai, ouais, ça va. Même pas besoin de faire les trucs comme ça, en vrai. On peut garder le truc de base. Tac. Paf, paf, paf. Quoi en fait? Ah ouais non, comme ça. Ouais c'est bien, comme ça. Comme ça du coup. Pour que ça se rattrape. Ouais. On va voir. J'essaie de faire déjà ce que j'ai en tête. On verra comment ça rend après. S'il faut que je change des angles ou ce genre de conneries.
Ah mais l'axolot c'est en 1.17, donc on l'aura pas encore, on l'aura pas sur le serveur. Enfin on l'aura peut-être sur mince. Sur Olicube saison 6, mais sur la saison 5 en tout cas. Pour la tête d'Ocelot, c'est mort. C'est ce qu'il faut se dire malheureusement. Sur la saison 5 en tout cas, la tête d'Ocelot, c'est pas possible. Enfin, à part la tête que ML nous a donnée à moi et Pierre, mais ça c'est une autre histoire. Et je veux dire la vraie tête, c'est mort. Ocelot. Axolot, oui, vous avez m'avez compris, Axolot, vous m'avez compris. Ah, il est parti déjà, Uzi. Bon, dommage. Bah écoute, c'est toi qui vois. Hein. Mais elle est au courant, en tout cas. Paf. Ah ouais, du coup, ici, je vais avoir un design différent à faire. Déjà, je vais terminer ça. Déjà, on en pense quoi du contour comme ça? Moi, je trouve bien. Je trouve ça sympa. Peut-être ça, par contre, qui est pas ouf. Peut-être faire comme ça. Pour garder la continuité. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Là, c'est sobre. Ah bah c'est le but après. Hein. C'est vrai que pour les murs, faut que je trouve une idée de mur. Ça par contre, pour les murs, je sais vraiment pas quoi faire. Je vais peut-être garder cette idée de bande blanche en haut. Ça peut être pas mal. Mais après, pour le reste, ouais, j'ai aucune idée. Strictement aucune idée. Tu vas faire une mosaïque de la tête d'Aipierre pour le middle? Bah non. Hop. N'importe quelle tête, pourquoi pas, mais pas Aipierre. Oh, cette musique. Oh, faut longtemps que j'ai pas écouté. Le problème c'est que, vu ce que je viens de faire là, j'ai une petite frustration. Mais c'est une frustration à la con. Mais du coup, regardez, c'est... Vous voyez le problème avec l'escalier? C'est que c'est pas symétrique. C'est que là il y a 2 et là il y a 1. Donc je pense qu'on va... On va peut-être pas garder ça. Oh là! Juste pour garder la symétrie, parce qu'en vrai ça... Ça fait mal. Mais du coup là je vais mettre quoi? Comme ça. Pas vraiment, pas sûr. Attends, déjà ici. Des plantes genre un pot avec un cactus. Ah, pas bête. On pourrait faire ça, ouais. Comme ça. Ouais, mais du coup non, parce que là ça me... Bah, là ça veut juste dire qu'il faut... Non, mais non, je suis con, faut que je décale juste en fait. Juste à la place de là, je mets ça. Comme ça, on garde la symétrie et tout va bien. Ça, je me prends la tête depuis tout à l'heure, mais non, c'est bon, comme ça, faut faire. Tout simplement.
Sauf que là, du coup, si quoi que je suis, je peux faire des slabs. Je peux faire des slabs de... Ah bah nickel. On peut faire ça du coup. Un aquarium en dessous, au dessus avec, avec un sol en verre. Ah ouais, pas bête. Ouais, pas bête. Un petit style de d'aquarium, pourquoi pas. On peut faire ça en effet. Pas mal comme ça. Du coup, on peut garder l'idée du... En fait, vous savez, on peut garder le tapis rouge. On le fait suivre. Et là, on le fait suivre le bord. Et comme ça, au milieu, on peut faire, l'aquarium ou une connerie comme ça, ouais. Limite, les poissons, c'est des têtes. Ouais, pourquoi pas. Donc, c'est un bloc de bois. Ouais, là, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah. Attends, what? Ah, d'accord. Donc là. Voilà, je me disais qu'il y avait un problème. Attends, 1, 2, 3, et là ça fait. Hein? Ah, d'accord. Non, c'est parce que j'ai fucked up. J'ai total fucked up. Hop. Et là, bam. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. C'est bon. Ok. C'est bon. Et là, on peut même faire ça, je pense. Pour qu'il y ait le fameux raccord. Tac. Nickel. Très bien comme ça. D'accord, mec. T'as qu'un coffre au trésor avec la tête golden. Bah non, si je fais ça, le premier visiteur, il me prend la tête. Hein. T'inquiète pas. Hein. Après Uzi, je pense que tu mens. Hein. Parce que moi, faire des plans... Non, c'est pas mon style. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça, Uzi, c'est pas grave. Tac. Après, pour l'ascenseur, on est peut-être pas obligé de mettre ça. Hein. Ah, coucou. Ouais. Ouais, je suis pas certain de cet ascenseur, mais bon. On trouvera peut-être une meilleure idée. Toujours sur l'ascenseur. Ah non, pas du tout. Ah bah non, justement. Justement, je suis pas sur l'ascenseur là. Hop, et du coup voilà. Et à chaque fois en fait les tapis rouges, ils peuvent se rejoindre, mais en gros, on peut partir sur un truc comme ça. Chaque fois, les tapis rouges, ils se rejoignent sur les bords. J'aime bien le style que ça fait en plus. Ça fait un joli style, j'aime bien. Alors, on mouille tout ça. Où est-ce qu'il est mon seau d'eau? Where is my bucket? Qu'est-ce que j'ai fait de mon seau? Batman. Et après le verre de l'aquarium. Ouais, non, mais je pense que ça, l'aquarium, ça peut être une bonne idée, ouais. Ça peut être une bonne idée. À vérif, mais ça peut être une bonne idée.
Quoi? Hein? What? Allô? Allô? Je suis... bon. Vraiment, j'ai vraiment fait une grosse connerie avec mon truc, hein. Voilà. Je vais juste remettre les torches. Pour l'instant, ça nous donne ça. C'est un peu bizarre. Mais bon. Mais bon. Après, j'avoue que par exemple, ces trucs-là, on peut peut-être les remplir. Parce que bon, c'est... Peut-être qu'on garde un truc régulier quelque part. Comme ça, on arrive sur un gros carré. Et dans ce gros carré, on peut mettre... On peut mettre du coup l'aquarium. Ou un truc dans ce style. Vous voyez? Un truc comme ça. Oui, un rectangle, un carré, bon. Vous avez l'idée, c'est le plus important. Arrondi des angles. Donc on va se faire comme ça? Mieux pour vous comme ça. Pas mouillé, c'est classe. Vous voulez qu'on fasse... Bah, au pire, on peut faire un truc comme ça. Avec un bord non mouillé. Ça. Ouais, ça fait bizarre quand même. Non mais au milieu on va pas faire. Non mais au milieu on peut faire un petit aquarium comme ça t'es dit. Genre on met du verre ici et en dessous on peut faire un truc avec des petits poissons, ce genre de conneries. C'est vrai que mouillé c'est mieux. Hein. Le petit délire piscine municipale mais rouge, au secours. C'est vrai que je préférais peut-être en mouiller. Hein. Ou alors au moins mouiller ça. Et laisser un contour non mouillé du coup. Comme ça. Comme ça. Super nickel. Ah là c'est pas mal. Mais je me demande si c'est pas mieux de mettre autre chose que du... Que du sable, enfin que... On essaye. Hein.
C'est non. Non, mais on peut faire un contour avec autre chose, mais quoi? Du vert rouge. Le vert rouge, le problème c'est que on fait quoi? Faudrait qu'on fasse descendre le rouge un peu plus profond du coup. Ouais, Léna. Non, laine rouge, non, j'aime pas la laine rouge. Ouais, Blackstone. Mais Blackstone, on en a déjà sur les bords, on va pas en remettre. L'idée du verre est pas bête, mais il faudrait qu'on fasse creuser assez profond du coup et que ça fasse le contour de l'aquarium sinon. Après l'idée des escaliers peut être pas mal hein, si on fait une espèce de creux, pourquoi pas. Des planches de sapin. Ah, les planches ça m'étonnerait que ça rentre bien hein. Non, faudrait qu'on parte sur un autre style de couleur. Pas qu'on essaye de prendre une couleur qu'on a déjà sur les bords. Justement, faudrait qu'on trouve un truc plus clair. Un truc plus clair, du coup, qui rapprochera, du coup, vers le milieu. Et au milieu... au milieu, aquarium. Comment tu as fait pour changer le style de tes élytras? C'est mon ressource pack qui permet de faire ça. Avec mon ressource pack et Optifine, tu peux donner un nom spécial à tes élytras et le... Ah oui, non, c'est normal. Tu peux donner un nom à tes élytras pour avoir un style particulier. Des escaliers blancs qui descendent sur le vert rouge. Ah, des escaliers blancs, pourquoi pas. Ça ferait un rapport avec ça. Atteste, atteste, atteste. Comme ça. Genre des escaliers, non, mais l'idée est super. Ouais. Le problème c'est que si on veut des teintes claires, c'est le seul bois qui donne vraiment ce style quoi. Ou alors on met du bois d'acacia pour avoir des escaliers orange. Terracotta, on peut faire des escaliers en terracotta? Non, on peut pas. Hein. Je me disais aussi. Après l'idée de Big Jojo ça aurait été de descendre les teintes du rouge sinon. Mais ouais. C'est vrai que du coup Sandstone. Ouais, le Sandstone c'est ça va rajouter du jaune et du rouge et du jaune à côté, ça rend pas forcément très très bien. Hein. Les murs, tu vas faire quoi? J'en ai aucune idée. Je pense déjà les murs, ce qu'on peut faire, c'est garder la Blackstone et faire ça par exemple. Vous voyez, juste avoir une petite couche en plus qui fasse les bords. Ça fait un contour. Vous voyez, j'aime bien cette idée. Comme ça. Comme ça, ça prend le sol et le mur et ça se met bien ensemble. Ça se marie bien ensemble. La mairie d'Amibois. Ah oh bah. J'ai pris un procès par Valérie D'Amido vu mon style, hein, t'inquiète pas. Escalier en quartz. Mais le problème de l'escalier en quartz, c'est que ça rajoute vraiment. On passe du rouge au blanc direct. C'est pas beau.
Des escaliers en Blackstone. Non. Bah non. Bah ça plutôt. Contour comme ça. Ah c'est bizarre. Hein. Salut Oximus. Ça va bien, ça va bien. Fais un dégradé. Non au mur, ouais mais non, le problème c'est que si je fais ça au mur, ça va faire un trou dans les murs, c'est pas beau. L'idée de faire ça dans les murs, c'est pas... C'est intéressant, mais le problème c'est qu'après du coup ça fait un trou dans les, ça fait un trou dans le mur. Le lore. Moi, j'aime bien cette idée de contour comme ça. Escalier en sable rouge. Le problème c'est l'escalier en sable rouge, c'est qu'il est... Ouais, enfin, ça pourrait être pas mal, mais bon. Ah, j'aime bien les contours bleus, les contours en noir comme ça. Ça, je garde. Ça, je garde. Que ça vous plaise ou non. C'est pas... ouais, et puis, là, le problème de sable rouge, c'est que c'est pas beau. Bah, de toute façon, tout ce qui est en sable, en général, je trouve pas ça très très beau. Hein. Sauf si c'était comme Wotan dans le style vraiment. Dans le style avec le sable. Pourquoi pas, mais. À rajouter comme ça là-dedans, non, ça rend pas beau. Ouais, les contours comme ça, ça rend bien, j'aime bien. J'aime bien. Là, tu peux faire aussi des colonnes. Jusqu'à là-bas. Voilà. Bref, retournons là-dessus. Deuxième hauteur, non pas deuxième hauteur, non. Après, si on veut gagner de la place, on en remet une couche en haut. Hein. Mais ouais, ça va pas faire beau. Des colonnes aux quatre coins, ça peut être bien. Après, comment tu considères les quatre coins? Parce que du coup, faut que ça soit un peu... Faut que ça aille ensemble, tu vois. Parce que là, en fait, le truc, c'est que ce côté de la salle-là, c'est pas le même que celui-là. Donc forcément, ça rend pas forcément pas... Quoique, la salle est à peu près pareil. Non, bah non, du coup, ici, il y a ça, ouais. Des colonnes dans le style de l'ascenseur. Bah, si on fait des colonnes, après, bon. On peut faire ça en quartz, ça c'est pas dérangeant. Après, le quartz, on peut le garder pour certains détails au mur. Mais faire un truc entier en quartz, non, c'est mort. Le quartz, c'est beau pour faire des petits détails, mais. Ou pour faire ça, tu vois. Ça pourquoi pas, mais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au milieu, merde ? J'ai jeté tous les blocs de pierre. Hein. Parce que pierre, attends. Ah zut, je les ai tous jetés. Zut. C'est vrai que l'espace vide contourné de rouge est non symétrique. L'espace vide contourné de rouge est non symétrique. C'est-à-dire. Genre par rapport à ça? Bah ça c'est parce que l'entrée est comme ça, genre. Après l'aquarium, quelle taille on lui fait du coup? Je pense que si on veut rester bien, faudrait qu'on fasse du coup un truc qui va de là. Non, quoi que de là. À là. Là. Ça fait pas un si gros truc, hein. Alors on n'a pas besoin d'avoir un aquarium de 4 mètres non plus, mais... Un vrai tapis de 2 de large avec
encore le bois et la blackstone qui puis on entoure autour de l'aquarium. Ah, genre en mode on répète ce qu'on a fait, mais ah mais du coup c'est dommage de pas avoir bah du coup faut qu'on réduise la taille de l'aquarium parce que il faudrait qu'on arrive à au moins avoir deux de large ici, tu vois. Donc là faudrait qu'on ait ça en plus. Il y a des endroits où j'ai pas deux de large pour le tapis rouge. D'ailleurs, il faudrait que je décale l'aquarium. Un petit pont au-dessus de l'aquarium. Non, mais l'aquarium sera sous du verre. Ça, c'est pas dérangeant. Attends, mais non, mais du coup, attends, mais toute ma symétrie, elle est fucked up, là. Mais il est petit. Bah, après, petit, ouais, il y a petit et petit, hein. Ah oui, là, j'ai 5 et là, j'ai 4. C'est ça que vous voulez dire depuis tout à l'heure. Le balou. C'est Galio. Qu'est-ce que... Mais du coup, ça veut dire que j'ai... Ah, ça veut dire que c'est pas... Attends. Je suis chiant, je sais, mais pour avoir une meilleure idée, je préfère avoir tout au même niveau. C'est chiant, je sais, mais malheureusement, je suis comme ça. Dès là que je suis mauvais, en plus ça, c'est un enfer. Mais bon, c'est pour avoir une meilleure idée. Parce que du coup, là, si on refaire du coup ce qu'on a dit tout à l'heure, en mode, on refait une couche de bois et de blackstone. Après, la blackstone, on n'est pas obligé, on peut juste refaire une couche de bois et le tapis rouge. Et c'est bon. Mais, ça veut dire qu'on rajoute... Ça, qu'on va mouiller évidemment. On en revient au truc de tout à l'heure, sauf que celui-là, hop, on le mouille. Donc là, on a nos deux de large partout. Enfin, surtout à toutes les entrées. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a ça, on refait notre couche de bois. On essaye, hein, on essaye. Ah ouais, c'est là que ça fucked up. Ah, mais attends. Ah mais c'est pour ça que ça casse, c'est que là en fait j'aurais dû reculer ça de 1. Sinon fait une croix avec les tapis rouges dans les trous. Il y a 4 aquariums, ça fait 4 allées entre les aquariums. Ouais, pourquoi pas. Déjà ce qu'on peut faire c'est... Ce qu'on peut faire déjà c'est bouger ça de 1. Comme ça on peut le... Hop. Le tapis on peut l'avancer de 1. Merde. Du coup ça on le décale. Ça devrait régler déjà un petit problème. J'ai plus de place. Mon autre problème c'est que j'ai plus de putain de place. Voilà comme ça. Là, si on fait ça, du coup, faut que je fasse ça aussi. Voilà.
Et là, du coup, on peut faire ça. Et donc... on peut retirer cette couche en trop. Voilà. C'est bon, le problème a été trouvé. Et a été réglé. Donc là, hop, on remove 1. Voilà. Et là, on a réglé notre problème. Partir de là. C'est le truc que je t'avais dit. Ah mais j'avais pas compris ça comme ça. J'avais pas compris le problème. Attends, c'est bon, ça a été vu, ça a été réglé. Donc là on a nos deux de large. Bon après on a des endroits où il y a 3, mais ça... ça après au pire... Non parce que du coup ça... non. Non, non, on va garder ça, on va garder ça. Je suis là, bon bah. Puis voilà, hein. On peut même peut-être laisser l'écorce sur cela, non? On laisse l'écorce ou on la retire comme le reste? Ça, ça fait un contraste. Mais bon après le contraste c'est peut-être pas nécessaire. Ouais on laisse l'écorce. Bah du coup si on laisse l'écorce faut que je fasse ça. Pas fan d'enlever. Bon bah écoutez nickel là. Moi ça me va vous savez. Hop. Voilà. Comme ça on a ça et du coup notre aquarium il pourra avoir à peu près cette... Ou alors on rajoute peut-être un... On rajoute une couche de quelque chose. Est-ce que la couche de Blackstones... Non, non ça ferait trop. Hein. Je vais faire un tapis avec de la terracotta. Non, non. Ça manque légèrement de relief, sinon c'est vraiment sympa. Écoute, le relief, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les trucs plats. J'aime quand c'est plat. Sauf quand c'est les femmes, tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ah, mais vous voulez qu'on fasse un aquarium de cette taille-là, du coup? Ça fait belle, ça fait beaucoup, quand même. Pourquoi pas un sublime drapeau bleu, blanc, rouge? Bah, nickel, j'avoue. On peut faire. Après, on peut, hein. Le tour en escalier de Dark Oak. Ouais. La lave sous des vitres. Après, si on fait un aquarium, bon. Et puis aux quatre coins. Ici, genre. Attendez. Je mets de la stone hein, pour l'instant, mais. Comme ça? Comme ça ou un peu plus proche. Non. Ça bloquait la vue. Bah après c'est le principe des piliers. Hein. C'est le désavantage des piliers, c'est que ça fait RP, ça fait un bon maintien, mais ça nique la vue. Faudrait plutôt me mettre là du coup. Non. C'est pas nécessaire en vrai. On n'a pas forcément besoin de faire. On peut laisser la salle grande comme ça. Hein. Du coup, t'arrives là-dedans, bam! À Etienne Paris, on fait un musée sur les têtes, pas sur les mini-blocs. Donc ce serait hors sujet. Piliers en chaîne. Sinon, avec des supports en haut et en bas. Non, sur les piliers, je préfère. Je préfère largement sur les piliers. Parce qu'après, du coup, on peut faire ça. Ah, on pourrait... Est-ce qu'on ferait pas des escaliers pour descendre juste d'un étage ou des dalles? Comme ça, paf. Et après, on fait le...
Après, on fait l'aquarium. Hein. Un truc du style. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Du style, on met de la Blackstone, mais bon, hein, c'est parce que j'ai pas d'autre idée pour l'instant. En mode comme as. Parce que l'aquarium va être trop grand pour moi. Là, l'aquarium fait trop grand pour moi. Ah, j'ai pas assez de dalles. J'ai pas assez de demi-dalles. Tac, tac. J'en ai marre de plus avoir de place. Un truc comme ça. Paf. Et là, après, on a l'aquarium. Et là, pour moi, l'aquarium, il a la bonne taille. Ça, c'est trop grand. Tu descends d'un étage, bam. Et après, on redescendra d'un étage où on mettra les vitres. Et après, on fait l'aquarium. Hop. Je dis depuis 20 minutes, quelques réglages près. Ah, écoute, je peux pas dire tout ce que vous dites, hein, vous savez, tu sais. J'aimerais bien avoir ce super pouvoir, mais malheureusement, il faut que j'arrive à me concentrer un petit peu sur le build. Déjà que je m'en prends plein la gueule quand je fais du build. Si en plus je suis pas concentré, oh bah yonk. Et en vrai, on est pas mal. Hein. Un tour complet avec les dalles. On va dire comme ça, vous voulez dire. En mode tac. Tac. Comme ça, du coup. Ouais. Tac, c'est bien comme ça. Et du coup, bah, on va descendre encore de 2, je pense. On ira chercher des petits poissons exotiques, ce genre de conneries. Hop. Là, niveau de place, on est bien, ça va. Vrai streamer à ceux de Caméléon pour suivre le chat et le game et le chat. Bah, les vrais streamers, ils jouent en fenêtré, ils ont le chat et le jeu sur le même écran. Mais moi, je peux pas. Moi, je joue en plein écran et j'apprécie mon jeu. Alors, des fois, ne pas vous lire, ça me fait du bien aussi. Alors, c'est toujours gratuit. Hein. Ici, c'est toujours gratuit, les petites violences comme ça. Révolte. Courage. Courage, vous réussirez à me supporter un jour. Jean fenêtré. Ah, mais il y en a qui jouent comme ça. Il hein. Y a des streamers qui font ça. Il hein. Y en a, ils se font du mal. Fouette-moi bien verbalement. Ça, c'est moche. Hein. Faudrait qu'on arrive à trouver. Ou alors, je fais un truc en full baril, mais bon, je sais pas, on verra. Allons chercher des vitres. Vraiment bien cet ascenseur. Jouons en réduit dans la barre des tâches. Ah bah écoute, chacun ses plaisirs. Bah après, c'est vrai que quand t'as un écran de 32 pouces, tu peux jouer en fenêtré avec le chat. Il y en a certains, ça va, ils ont ce qu'il faut. Et moi je suis un adepte des écrans 24 pouces. Au-dessus, c'est trop grand pour moi. Donc c'est compliqué. Si on joue en fenêtré pour avoir plus de FPS. Ça après, c'est une autre histoire, mais je parle des streamers surtout. Ah! Après, si vous jouez en fenêtré, pas de problème. Hein. J'insulte pas, je ne critique pas ceux qui jouent en fenêtré. Bon, ça, Pierre, en disant ça pour le 32 pouces. Non, Pierre, il a un 53 ou 54, je sais plus. Je crois que c'est un 54 pouces. Lui, il joue sur une télé. Que quoi? Eh bah, eh. C'est fou, hein. Parce que t'as déjà un giga schlong, alors d'où? Bah, c'est pas que Pierre est très stonk, c'est qu'il a des OP. Ça marche bien, ça marche bien. Quand t'as des OP, ça marche bien.
Vous savez, je suis qu'un petit prolo, moi je fais mes streams, mais les marques, je les intéresse pas. C'est vrai que je compte changer mon écran bientôt, là, pour prendre un écran G-Sync. G-Sync 144Hz, c'est tout propre, là. S'il y a une marque qui fait de ça, là, je sais pas, pourquoi pas. Hein ? Ah, c'est une petite marque qui en fait. Tu t'opé avec Jimmy Bois Ouh là, je suis trop loin. Niveau OP, c'est now, yeah. Moi c'est rien, moi j'ai rien en OP moi. Et je déconne pas en disant ça, j'ai vraiment quasiment rien. J'ai des OP avec des jeux russes, donc non merci, hein, ça c'est un instant non. Il y a Red, il y a des gens qui travaillent dans des boîtes qui font des OP avec Red, qui me contactent de temps en temps, mais bon. L'OP Red, je voulais la faire une fois, c'est bon, ça a été fait. Maintenant, c'est bon, pas besoin d'en refaire. Et ah, attendez. On va tester avec la vitre comme ça déjà. Mais les OP avec des vraies marques, j'avoue que jamais. T'as pas les OP d'Entai? Même pas. Même les OP d'Entai, je les ai pas eu. T'imagines un peu? Est-ce qu'on mettrait pas du vert gris ou noir? Peut-être. Ce serait pas mieux? Mais bon. C'est pour déjà avoir l'idée de ce qu'on fait. Oh, ça représente un stack exactement. Ah, ça va être bien comme ça. Peut-être gris clair. Ouais, j'aurais dit ça, ouais. Après, sur les bords, ouais, on pourrait peut-être mettre du vert bleu pour faire les bords bah, bleus, du coup. Mais ouais, du vert gris clair, ça peut être pas mal. C'est vrai. Dans VPN, jamais eu. OP Jackie et Michel pour faire du SM virtuel avec ton chat. Au secours. Après, vous déconnez, mais il y a... comment il s'appelle? Aurélien Prévost. Qui fait les... il fait tout... Il va faire tout... Enfin, attends. C'est quoi déjà? C'est... Celui qui fait la... Enfin, celui qui fait les vidéos de morning routing avec les gens, là. Il fait tout noir. Hein. Je pense que c'est ça. Il a fait une OP avec un site de cul, hein. Enfin, avec un site de vente de sextoy, hein. Oui, c'est lui qui a fait l'OP avec le PQ, exactement. C'est lui qui a fait... j'achète tout le PQ de mon magasin. Mais ce mec-là, vous allez voir sa dernière vidéo sur YouTube, Aurélien Prévost. C'est une OP pour un site de cul, où il présente une vaginette. J'étais en mode, mais ça y est. Ça y est, la barrière a été dépassée. Ça y est. Les OP avec les sites de vente de sextoy existent sur YouTube. Let's go. On dit, j'espère. Mais même pas. Mais même pas. C'est juste, il fait une vidéo classique où il fait un espèce de petit truc un peu scénarisé comme il fait de temps en temps. Et à la fin, t'apprends que c'est une vidéo qui est sponsorisée par un site qui vend des objets de plaisir. Et vraiment, j'étais là, je me suis dit, mais ça y est, la barrière a été passée. Light gray du coup. Ouais, parce que noir, ça va être trop foncé et ça gâchera un petit peu le truc. J'ai d'arriver, ça parle de cul, j'adore. Je parle d'une vidéo YouTube qui était sponsorisée par un site de vente d'objets de plaisir. Oui, c'est vrai, Waters. Mais ça, oui, mais ça après, c'était la vidéo était faite pour. Mais je veux dire, vraiment, une vidéo qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, c'est que tu t'y attends pas. Logique, me dira-t-on. Lui aussi pour les côtés. Merde! Alors, après on fait quoi? On fait bleu clair ou bleu foncé? Ah putain, il m'a fait peur ce con! On fait bleu clair ou bleu foncé pour les bords? J'irais plus bleu foncé moi quand même. Hein. C'est quoi ton max de viewers? Hein, que j'ai fait en tout? Oula, c'était dans les 1000 et quelques, mais je sais plus. J'avoue que j'ai pas un papier où j'enregistre tous mes records de viewers, hein, parce que vraiment... Faut vraiment être avide de chiffres pour faire ça et j'en ai tellement rien à foutre. Ouais, Blue Dye, je pense, hein, foncé. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais. Faudra voir ce qu'on met derrière les vitres bleues, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière les vitres bleues? Ah, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire... Hein. Ouais, du coup, il me faut beaucoup de vitres.
Max Weaver dans un stream. Eh bah c'est bien ce que... Oui bah c'est... C'est au-dessus des 1000 mais je sais plus combien. Parce que pourquoi vous êtes beaucoup là? Oh, pourtant la hype s'est calmée, la hype de Holycube s'est calmée. Ouais un dégradé de... Ah un dégradé de bleu du coup faudrait que je prenne d'autres bleus. Parce que moi je voulais faire carrément genre plusieurs couches de bleu. Ah vous êtes 385, ça va, on a fait pire. Bon au pire, regardez, hop. On prend tout. Bienvenue Cédric. Hop. Très agréable pour sa charge. Ah. Pourquoi tu mettrais pas des zombies rename en dessous des têtes de zombies pour le bruit? Parce que c'est chiant. Parce que c'est juste chiant à faire. Salut Lucho. Salut Lochi. Ah la ferme à Witch. Eh bah écoute, Apocalypse, la ferme à Witch est terminée. Elle fonctionne bien, ça va. Et Red Tox a prévu de faire une déco très sympa, mais pour l'instant il est en vacances je pense. Il est avec la famille. Mais elle est terminée, c'était sympathique. Tout va bien. Donc en gros voilà on aura ça. Avec le petit aquarium au milieu. Et du coup, sur les côtés, on peut faire des dégradés de couleurs. Ouais. Salut, Ethan. Hop là. Alors, on va essayer de mettre quelques torchettes. Des torchettes. Et du coup, il faudrait qu'on creuse... Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est que... Ici sur les bords on va remettre de la blackstone pour pas avoir cette espèce de micro couche dégueulasse. Ça c'est déjà le premier truc qu'on va faire. Ouais faut voir combien de couches on met pour la profondeur de couleur. Je pense 2 de chaque c'est pas mal. Oh, je vais en manquer, sérieux? Ah ouais, je vais en manquer. Dommage. Je pensais pouvoir faire avec tout ce que j'avais, mais non. Ouais, dommage. J'ai vraiment mis la torche ici, mais putain, mais je suis vraiment en casse-couille, hein. Bah, tu sais, plein de gens pensent que la Blackstone, c'est stylé, hein. C'est pour ça que ça marche bien sur ce serveur, hein. T'inquiète pas que j'en vends de la Blackstone, hein. Ça, c'est le truc, je suis sûr d'en vendre. Tout le monde pense un peu, ça. Hein. Voilà. Donc déjà comme ça on a le contour. Et à partir de là du coup, on va essayer d'un côté déjà. On va voir comment ça peut rendre. Donc on a une couche, on en met deux. Bah après on va pas avoir grand chose en vrai. Pour la tête de mail, tu peux mettre la stream de mail à fond. Sous sa tête. Ah ouais, on met chaque stream de chacun sous chaque tête, j'avoue, c'est pas mal. Après, faut se dire que quand on est là, on va peut-être pas voir grand chose. J'en avais déjà une, j'avais pas vu. Il est con le mec. Que si on fait ça, comment t'as eu ton bonnet? Bah je sais pas, je me suis connecté, j'ai le bonnet, donc je suppose que c'est peut-être un datapack qui a été mis. Déjà ce qu'on peut faire, déjà on va mettre une première couche,
voir comment ça rend. Ça va pas forcément être très beau hein, pour l'instant, puisqu'on aura, on va avoir le fond dégueulasse. Non, mais qu'est-ce que je fais ? Faut que j'en mette là aussi. C'est au petit file de bonnet ? D'accord. D'accord, d'accord. Juste pour le RP. Juste pour le RP et parce que je suis un putain de casse-couille. Hop. Est-ce qu'on ferait pas pareil là-bas du coup? Ça bam. Pourquoi je me suis lancé là? C'est quoi que tu fais? Un aquarium. C'est bien connu que dans les musées, il y a des aquariums. Non. Va partir vite, c'est en fire. Mettre du béton à la place de la pierre. Mais attendez, la pierre, on la part... Attendez, on fait une première couche juste pour voir ce que ça donne. Derrière, il y aura une autre teinte de bleu. C'est juste que là, j'essaie de voir à peu près ce que ça donne. C'est la fin. Je vais voir ce que ça donne avec la première couche. Tout simplement. Merci Kubaru pour ton 16e mois, le sub. Merci beaucoup. Encore. T'as plus ton avance du coup, Kubaru, que t'avais prise là, il y a un moment. T'as déjà tout bouffé, non? Je me souviens plus de quand tu l'avais prise ton avance. Hop. Voilà, donc ça c'est la première couche. Oui, j'avais pris l'année dernière pile. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, d'accord. Et du coup, là, à partir de ça... Donc, ok, c'est deux stacks et 32. On va reposer ça, on va prendre 3 stacks. Et du coup, on fait du cyan. Peut-être que je gaspille, mais c'est pas grave, il faut tester. J'aurais mis le bleu foncé au fond pour finir sur le bleu clair. Bah justement, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour voir si ça rend comme on veut. C'est justement pour ça qu'on fait ça. Voir si ça rend vraiment comme on le souhaite. C'est vrai que on la voit pas très bien, mais en vrai, je sais pas si je peux faire vraiment mieux. Hein. Est-ce que tu comptes reprendre la survie modée que tu faisais avant Olicube? Frosty Way, déjà merci pour ton message. Et du coup non, parce que je n'ai plus la sauvegarde. Je n'ai plus la sauvegarde malheureusement. Eh, en vrai ça rend bien. Pourquoi ne pas mettre de l'eau directement pour faire un aquarium? Mais non, mais on est en train de faire les murs de l'aquarium là en fait. Mais oui, du coup, MC Eternal, j'ai plus la sauvegarde, malheureusement. Et le mode a beaucoup changé, le mode pack a beaucoup changé, et il est très désagréable maintenant, je trouve. Ouais, c'est pas mal, faudrait qu'on trouve un fond, du coup. Parce qu'en vrai, attends. Déjà, ce que je veux voir, déjà, c'est de dire merci à Bendo. Je suis dans le Bendo, pour ton prime, merci beaucoup. C'est du coup d'en haut,
Ah, en haut, on peut voir pas mal de couches, en vrai. Donc, je me demande si le mieux, ce serait pas de doubler la couche de cobalt. Enfin, de bleu foncé, j'appelle ça cobalt, mais... et de... C'est vrai qu'on voit, on voit la délimitation, là. Je pense que ce serait pas mieux de me remettre du bleu. Prismarine, on la mettra au fond. On fera un fond en Prismarine. Concrète noire pour faire plus en fond. Ah, bien vu, ouais. Ah, bonne idée, la concrète noire. Ça fait des fonds marins dégueulasses. Quand tu fais... Quoi ? Quand tu fais qu'il y aura l'eau, on verra moins. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'eau aussi qui compte. Bah, du coup, il y a technique de mettre de l'eau entre chaque couche. Ouais, non, peut-être on va pas se faire chier non plus à ce point-là. Non, mais la technique... Le mettre du concrete noir pour faire un espèce de truc sans fond, c'est pas mal, ouais. Après, est-ce que mettre concrete blanche serait pas mieux ? Pour que vraiment l'aquarium ressorte ? T'inquiète pas, Water, j'ai compris. Déjà, si on fait ça. Je veux dire, est-ce que j'ai de la flotte sur moi ? Bah non, j'en ai pas. Ouais, mais bleu, ça ferait juste un mur bleu. Alors que c'est vrai que le concrete noir, ça fait vraiment genre. Ça fait vraiment. Ça fait void, quoi. Et puis, on avait chié sur Highstone pour son aquarium aussi. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un style qui rend bien. C'est assez compliqué de trouver ça. Ouais. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, on va faire ça. On sait ouvrir. Un poil trop vite. Voilà. Déjà on a notre contour. Putain, rien que là avec une couche de vide derrière, ça rajoute du volume. Noir ou blanc, ça rendrait bien. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis, hein. Y'avait pas de la concrete blanche quelque part? Oh, j'ai encore plein de quartz! Après. Putain, il l'avait sur lui. J'avais jamais remarqué. Non, j'avais pas de la concrete blanche. Il me semblait que j'en avais acheté de la concrete blanche. C'est ça que j'ai plein de smooth quartz. Hein. Moi j'ai les bone blocks. C'est vrai que j'ai les bone blocks aussi. Non, pas ça. C'est vrai que là, rien que ça, en fait, c'est. Même une seule couche, en fait, ça suffit. Hein. Une seule couche, ça suffit parce que c'est vrai que déjà là, c'est assez sombre. Si on rajoute la flotte en plus, on va rien y voir. Hein. On va rien voir là-dedans. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... Hop, petit tour infini. Quelques salles dans le musée. Il manque quelques salles dans le musée. Elles sont là, elles sont prêtes. Enfin, elles sont prêtes. Le croquis a été fait, on va faire le reste maintenant. On va mettre des lanternes aquatiques, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais on n'y est pas encore. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remove cette glace. Vu qu'on va mettre de la vitre grise. C'est vrai qu'on a la vitre grise aussi, hein, faut pas oublier ça. Hein. C'est vrai que tout ça ajouté, finalement, ça va ajouter énormément de foncé.
Mettra des lanternes. J'en ai des lanternes aquatiques normalement. Donc ça c'est bon. Hop. Normalement je suis censé avoir un stack de verre sur moi du coup là. Voilà. Ouais c'est bien comme ça. Le verre, c'est vrai que le light gray est très très beau. Ça rend très très bien. On va fermer ça. Pour pas qu'on mette de la flotte n'importe où. Ah! Bon. Ouais, ça rajoute tellement de foncé, ouais, c'est large suffisant. Ouais. C'est un peu de façon dégueulasse, hein. Mais bon. Ça sera plus simple. Hop. Voilà. Ah bon, y a un creux là. Technique des algues. Ah, j'ai pas pensé. Ah mais j'ai pas d'algues sur moi, j'ai un peu la flemme d'aller en chercher, je vais pas te mentir. Donc au pire, on va se débrouiller comme ça. C'est vrai que je suis un peu galérien, j'aurais dû prendre des algues ou autre chose, ouais, ça sert à rien. Et techniquement, quand j'aurais tout bien fait, ça devrait se remplir tout seul. C'est juste qu'il faut que je fasse les choses bien. J'ai vu ton message, Agri, j'ai vu ton message, mais non. On trouvera un autre moyen d'éclairer. Mais j'ai vu ton message, t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que je ne l'ai pas vu. Et juste au milieu où ça va être chiant, je vais devoir trouver des strats. C'est mon meilleur ami pour les aquariums. Bah ouais, non, mais je sais, c'est ça qu'il me faudrait, je sais bien. On a les bords, c'est bien. Tu fais quelle salle? La salle principale. La salle où tout le monde va rentrer. Qui doit être impeccable. Du coup, il faut que je fasse... Et là, après, faut faire quoi? Faut que je... Hop. Comme ça, tout simplement. Faire remonter la flotte. Voilà, et là on équilibre. Ma vie. Faut juste que j'en mette là du coup, comme ça source infinie là. Oh ça bug. What? Mais what the? Hop. Ah
Et presque. On y est presque. Après, c'est... ah oui, c'est là qu'il faut que je les règle après. Il y a une espèce de siphon en dessous là. Et bah voilà. Juste là. Du coup ici voilà, j'ai quelques trous. Genre là. Et là. Et après normalement j'aurais même pas besoin de mettre des algues, après ça va s'actualiser tout seul. C'est bon, toute l'eau est stagnée? Non, pas là. Ok, c'est stagné, c'est bon. Et ben voilà! Voilà! Le truc c'est que on va, comme on va le voir avec là, du coup, bon, c'est peut-être pas tout bête maintenant. Ah, ah, voilà. Allez, on voit même plus, les bords. Donc en vrai, là, on peut mettre notre truc noir. On peut mettre notre concrete noir ou nos blocs blancs. Tiens, vu que j'ai encore plein de smooth quartz, je vais pas vous mentir que si je peux faire du recyclage. Je vais me faire plaisir. Donc oui, j'ai dit truc noir, je mets du blanc, bon voilà, c'est... Chacun ses problèmes. Hein. Juste faire un côté, voir ce que ça donne. Ouais, faudra que j'éclaire, faudra que je trouve un moyen d'éclairer. Je sais qu'il y a un trou, hein, au cas où. Ah non, il y a le... ah non, il manque l'autre. Pas à peine. Ah, faudra vraiment que j'arrive à bien éclairer ça. Il me reste des lanternes ici. Oui. Pardon, c'est bon. J'ai un peu trop enjoué. Arrête de vouloir nager, gros con! Voilà. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu énervé. 3-4. Hop! Ah, c'est bien éclairé, ça. J'ai dit ça, mais bon, là... ça nique un peu la lumière sur les blocs de quartz. Et oui, il y a un trou, là, je sais. On voit pas beaucoup, hein. On le voit pas beaucoup. Que c'est du quartz. Les lampes sont symétriques. Ah oui, la vache. Oula. La symétrie. Oh merde. La symétrie, t'aimes ça la symétrie. Ah, c'est bien comme ça. Le transparent est mieux, on verrait mieux. On verrait mieux. Mais le transparent de quoi? Ah, le verre clair. La lanterne bleue serait pas mieux attachée à des chaînes. Bah là, c'est juste qu'on fait ça pour l'instant, mais... C'est pas mieux que ça soit sombre. Bah sur les bords, mais au milieu, faut bien qu'on les voit, les poissons. Très symétrique. Bah c'est bon, là. 3-3, nickel. Nickel, on est bon. Bon, on va faire les contours blancs déjà, parce que le blanc rend bien, c'est... Puis au pire c'est les bords de l'aquarium, hein, au bout d'un moment. Faut pas non plus trop se prendre la tête pour les bords d'un aquarium, hein, que deux personnes prendront le temps de regarder. Hein.
Je n'ai jamais de place. Essayez de pas faire un seul trou parce que ça va se voir si on laisse un trou. Alors, par exemple là. Secours. On va en mettre en dessous du verre. On peut faire une couche de verre en dessous si vous voulez. Bon bah c'est beau la stone. Ouais mais bon. Voilà. Comme ça on a nos bords. Par contre pourquoi celui-là il est plus foncé que les autres? Qu'est-ce que... Mais pourquoi la saignée? Les lumières dans Minecraft. Light in Minecraft. Ah, tu veux dire du quartz? Ah, en dessous là? Ah oui. Après, on peut faire par exemple. Ouais, bah non, c'est vrai que si on veut faire un sol d'aquarium, ouais, vaut mieux. On peut dire ici, quoi. Faire ça, oui. Michel, je crois que je me noie actuellement. Mais du noir au fond pour contraster. Bah en vrai, non, le contour en blanc c'est bien, ça prend, ça fait vraiment le, ben, ça reprend le les bords de l'aquarium quoi. Un peu comme on a dans la grande salle. On a les bords d'une couleur et le sol qui rejoint cette couleur. Me noyer, c'est bon. Mais du sable au fond. Ouais, au fond, on mettra un mélange de sable et de gravier. Ah! I mean too fast! Le mieux, ça aurait été de les mettre comme ça, je pense. Paf. Là, ça éclaire bien, là. Il y a des lanternes dans les coins sous le verre. Sous le verre ? Ah non, c'est moche. Ah non. Déjà, on va aller chercher du sable et du gravier. Le sable et le gravier. Hop là. C'est les maximums. Hop là. Hop. Bah sable au fond. Et du sable et du gravier. Un mélange. Je trouve que ça fait bien un mélange. Sable au fond. Après jungle à droite. Sable au fond. Oh, dans les coins à la place de la Blackstone. Ouais, mais du coup, dans les coins, on va pas les voir. On ne verra pas ce genre de choses. C'est ça que je ne comprends pas trop. J'ai lequel? J'ai le fortune. Zut! Il me faut l'autre.
Parce que si j'utilise celle-là, j'aurai que du gravier. Enfin, que du flint. C'est bon, on peut reprendre un fond marin comme ça. Hein. Oui, hein, du sable et... Du sable et du gravier, c'est très bien. Le sable au fond. Ça bordel tes coffres, j'adore. Ah mais ça c'est toujours. Hein. Ça s'il y a bien... mon défaut, je dirais bordélique, ouais. Mon défaut, je dirais mes coffres mal rangés. Ouais, ouais. Ah, le jour où ils installeront un système de rangement automatique ou plus simple, je serai un homme heureux hein, sur Minecraft. Hein. Faudra un peu plus de gravier. Avec Lara l'aquarium. Bah, le truc c'est que si on garde ce côté bleu, les lanternes bleues n'éclairent pas énormément. Du coup si je les mets au-dessus, ça va pas rajouter énormément de lumière. C'est ça le défaut. Le bundle futur est meilleur ami. Ah, le bundle, après, c'est pas forcément incroyable, hein, le bundle. Hein. Je vais pas te mentir que... Le bundle, ça va juste être un moyen de faire un fourre-tout et de jamais ranger. Donc, ouais, mais non. Le seul défaut des lanternes bleues, c'est que forcément, ça éclaire pas énormément. Et du coup, pour rendre ça bien, c'est compliqué. Genre là, moi ce que je pensais faire c'était faire un contour en gravier, comme ça. Voilà. Et avec le sable au milieu. Eh, ça c'est de l'aquarium qui est bien rangé mon pote. Non, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Comment je pourrais rendre ça mieux? Lui non plus ne range pas ses coffres, son but ultime est de créer un système qui vide une shulker pour distribuer son contenu aléatoirement dans des coffres. Ça après c'est pas compliqué. Alors, en random ce serait peut-être mieux. Ouais. Bah en fait... Je veux bien laisser, enfin je vais peut-être laisser le contour en gravier, mais après on peut faire des mélanges de gravier et de sable. Vu que j'ai pas forcément beaucoup de gravier, on peut faire un truc genre... remonte s'il te plaît. Vas-y. Comme ça. Et on remplit comme ça. Arrête de nager! Bordel! Non. Envie de vomir. Hein. T'en veux pas forcément, si tu poses des blocs de corail au fond, tu ne verras plus pattern. C'est vrai, Wotan, c'est vrai ça. C'est vrai ce que tu dis le. C'est type à faux. C'est type à faux ce qu'il dit. C'est vrai. Un QR code. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire un QR code avec du sable et du gravier. Et si vous l'activez, vous aurez accès à une loterie. Pour gagner des chaussures. Et oui, c'est Noël. Mais je voulais pas le dire maintenant, mais bon, voilà, vous m'avez cramé. C'est vrai qu'avec tous les blocs qu'on pourra avoir, c'est vrai que qu'on rajoutera le corail à la con et tout. Parce qu'évidemment, on mettra des poissons exotiques, bien sûr. Hein. Nous ne sommes pas de la petite France ici. Comment qu'on peut faire ça? Ou alors je fais un côté gravier et un côté sable. Genre je fais un truc, une découpe comme ça. Tac. Et je prends les conseils de Wotan. Enfin, je prends surtout l'info et le détail que j'avais oublié que Wotan m'a rappelé. Ce qui est vrai que quand il y aura des décos, le fond on s'en foutra un petit peu.
Et regardez un petit peu mon fond, il est pas mal, non? Le ying et le yang. Ah, juste pour ça, j'ai envie de le garder. The ying and the yang. Coming in directement. Ah merde, juste pour ça, j'ai envie de le laisser. Ah. Ah ouais, non mais juste pour ça, j'ai envie de le garder. Par contre, c'est pas symétrique. Ah, par contre, là... Ah, c'est pas symétrique. Enfin, là, on a 5. Ah, c'est quoi que c'est bon? Non, on a 4. Et là, on a 4. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On dirait un médicament. Ah, allez, ça va. On part là-dessus. Allez. Allez. Remonte, Michel. Allez. Ah, merde. Attendez, qu'on referme et qu'on voit. Wow! That's a lot of damage! Ah ouais, c'est bien comme ça. Faudrait que je trouve d'autres moyens de mettre des lumières. C'est très feng shui. J'aime beaucoup le côté yin-yang de ta construction, en fait. C'est très harmonieux. Ouais. Excusez-moi. Ouais, ouais. C'est pas mal comme ça. J'aime bien. On voit que c'est calme dans ta... On voit du calme dans ta structure. On voit du bonheur. Et ça, moi, j'aime le bonheur. Pour les lumières, c'est Pickles. Oh! Mais oui. C'est vrai que ça existe, cet enfer. Putain, mais il pense à tout, celui-là. Alors, attendez. Déjà, ce qu'on va faire... c'est qu'on va déposer notre bordel. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des sauts. Et il faut que je retrouve... Je sais que j'en ai un pas loin de chez moi. Un truc exotique. Mais où exactement? Je ne le sais pas. On sent qu'il y a un lien entre la civilisation et la nature. On sent que les poissons sont en harmonie avec nous, en fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'aime l'harmonie, hein. Salut Popo le tout. Et Pierre en vend sinon. Mais tu crois vraiment que je vais en acheter à Pierre? Ça va pas non? Non mais il faudrait plusieurs variantes de petits poissons. C'est pour ça on va se débrouiller en allant chez moi. Je sais que j'ai un truc. Il me semble que j'en ai un pas loin de chez moi. Il faut juste que je retrouve où exactement. On va se balader un petit peu, ça va vous occuper, ça va vous changer du build. Voler. Ah non, bah non. Du coup, faudra que je les renomme aussi, les poissons, faudra pas oublier ça. Un prochain Minecraft Ultimate. Y en a eu un il y a pas longtemps, mais on n'a pas pu y participer, parce que du coup, c'était pendant qu'on était pris par les fêtes. Mais du coup, le prochain auquel je participerai, j'en ai aucune idée. Quand il y en aura un prochain qui sera organisé. Et que ce sera agréable de le jouer. Ah désolé Philox. Mais comme j'ai dit, je vois pas tous les messages. Je vois pas tous les messages. Je suis désolé. À ta place, je lirai jamais alors. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ne prenez pas mal quand je rate votre message. Oh. J'ai des buckets ici ou les buckets je les jette au fur et à mesure. Je dois en avoir des buckets. Eh ben voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, les buckets. Ouais, c'est vrai que bon, faut tout simplement faire ça. Hein. Voilà. Là, on aura du poisson là. Je crois que j'ai bu. Mais autant que ça? Mais Didou? Mais autant que ça? Mais qu'est-ce qui... Merci Didou. Merci pour les 30 subs offerts aux gens de ce chat dissident. Mais what the fuck? Mais merci Didou. Mais en quel honneur? C'est bien trop bon Didou. Waouh. J'aimerais remercier Didou et cette générosité incroyable. Ça va Didou?
Ça va, Dizou, j'espère que tu vas bien. Merci infiniment. Oupsie, j'ai pas fait exprès. Merci énormément, Dizou. J'espère que tes fêtes se sont bien passées. Tu es bien bon. Ça va, Dizou, tranquille, hein. Tranquillou. Tranquillou bidou. Tac. Attendez que je regarde un petit peu les noms qu'il y a. Alors. Ouais. Pas mal tout ça. Il y a des noms qui reviennent souvent, c'est cool en plus. Il y a des noms de gens qui sont souvent sur les streams. Pire fête de ma vie, mais on fait avec. Ah merde. T'as eu des merdes à cause du Covid, du coup. I guess. Merci Unato pour ce message mis en avant. Du coup, rien que pour les points que t'as utilisés, pardon. C'est tout. Bon, faut pas abuser non plus. L'équipe, c'est la version combien de Minecraft? On a la dernière version, donc 1.16.4. Mais attends, mais non. Reste dans la savane! Bah écoute, j'espère que ça s'améliorera. J'espère que ça s'améliorera pour toi, Didou. Mais il est censé y avoir un... Ah, attends. En passant, ici, je suis censé avoir un village de la savane qui mène, du coup, vers un océan. Et dans cet océan, je suis censé avoir des trucs... c'est un océan chaud. Mais il faut que je retrouve où il est, ce village. Techniquement, il doit être par là, alors. Parce qu'il me semble qu'il longe des montagnes. Il est là. Non, c'est pas... Eh, nique sa mère. Mais c'est où? Ah, j'ai perdu. Dommage. C'est là que je me dis que je devrais installer un mode avec une map. Ça aurait été plus simple. Ne perds pas espoir. Bien que... J'ai envie d'en finir. Yes! En tout cas, yes. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de savoir que je ne sais plus où c'est. Explorateur. Mais ouais, non, mais je sais que pas loin de chez moi, dans une savane, il y a un village qui est proche d'un océan. Donc cette savane, c'est censé être celle-là. Dans cette savane, près de l'océan, il y a du coup le village qui est au bord de l'eau. Et dans cette eau, il y a du coup un côté exotique avec des coraux et des poissons tropicaux. Il faut juste que j'arrive à retrouver où il est. C'est tout. Peut-être. Alors peut-être. Eh ben voilà, regardez. Tu te perds. Non. Allez, c'est bon. Petit poisson dans l'eau. Merde, comme ça. Hop, hop. Ah, let's go le succès. Merci. Voilà, on en prend 4 comme ça. Oups. C'est pour respirer. On chope du pufferfish. Comme as. Ah! Attrape-le, Michel! Michel, le poisson dans l'eau! Ah, c'est bug. J'en ai eu des verres? Non, j'ai pas eu de verres. Attends, mais il me faut un peu faire fiche en plus. Là.
Le bavard fiche tous les autres poissons. Au revoir. J'avais pas cette info, merci. Poisson vert. Ah mais oui, du coup chaque poisson a sa couleur dans le seau. Ah, fuck. Ah. Voilà. Ensuite, les espèces de grosses poiscailles là. Je sais pas trop à quoi ça ressemble ce truc, mais c'est des grosses poiscailles. Hop. Et hop. Oh, il va être fourni notre aquarium hein. Il reste plein de couleurs. Je pense ton pack qui fait ça. Ah ouais. Ah bah écoute comme quoi ça confirme que j'ai le meilleur pack du jeu quoi. Ouais. Allez. Hop, on va prendre les rouges aussi. Oh ils sont beaux. J'aime ceux, ils sont jolis. Eh ben, on est bien fourni ici, c'est ce que je vois. On va avoir un aquarium bien rempli, hein, je vous le dis. Hein. Faut que je prenne des coraux aussi. Toi. Ah, ouais d'accord, celui-là par contre il est pas... Il a pas une texture spéciale. Oh les blancs. Oh ils sont beaux. Oh ils sont beaux Michel, ils sont beaux. Oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Hop là. Oh, ils sont beaux, ceux-là. Ah ouais. Ça, c'est de la poiscaille de compète. Oh, putain, mais il y en a des rouges, il y en a des oranges. Putain, mais c'est incroyable. Voilà. On va faire un mélange avec... Merde, celui-là, c'est bugué. On va faire un mélange entre des oranges et des rouges. Pour pas non plus en avoir trop dans l'aquarium, faut pas déconner. Qu'est-ce que j'aurais oublié du coup? Parce que là on a les... Ouais ça c'est bon. Les pufferfish ça dégage. Ah ceux-là, je sais pas ceux-là. Oh ils sont bien, ils sont beaux. Ah oui. Ah oui. Les rouges on les a. Les blancs on les a. Ça on les a aussi. Ils découvrent les poissons. Bah j'ai jamais réellement... chasser du poisson tropical, donc ouais, en vrai, je découvre un peu. Les sea pickles, bien sûr. Oh, il y en a en balle. Eh, hey, on a en balle. C'est parfait, ça. Et du coup, faut qu'on récupère des coraux aussi de chaque couleur. Merci, Ariane, pour ton deuxième mois. Merci beaucoup. Comment ça va? Bah, écoute, ça va nickel. Je pète à du poisson, moi, je suis heureux. On les a pas ceux-là. Des roses. Oh, ils sont kawaii. Franchement, ces poissons, on a ce qu'il faut là. On a peut-être un peu trop de poissons même. Maintenant, faut qu'on prenne des. Bah, des coraux et des herbes. Faut qu'on trouve des idées aussi de petits décors à faire dans l'aquarium qui prennent pas trop de place et qui sont jolis. Ah Je suis venu partir en sushi, mais non. Mais pas du tout. Un château. Ah, faut pas abuser. Le poisson, pourquoi? Parce que je vais faire un aquarium dans le musée. Du coup, l'aquarium est prêt. Il manque plus que la déco et les poissons. Oh, j'ai 26 et pickles, ça devrait suffire. Hein. Puis au pire, on met un seul pufferfish et on voit en combien de temps il bute tout le monde. Et puis voilà. Il est peut-être un bon poisson, Hilo. Ouf. Peut-être une bonne bouffeuse de poissons, ouais, mais... Oh, ils sont beaux, ceux-là, aussi.
Attends, il me reste de la place, Michel. Attends, je peux en prendre quelques-uns. Hop là, hop là. Qu'est-ce qui reste de debout comme poisson que j'ai pas pris? Attends, on va trouver le dernier poisson. Dernier poisson tout joli. Il va être fourni. Ah, mais les poissons tropicaux tout court, bien sûr. C'est vrai, ça, j'ai oublié les poissons tropicaux tout court. Enfin, les Nemo. Hop, et hop. Et ben voilà. Allez, vendu. Maintenant, faut rentrer à la maison. Je crois que c'est par là. Ah oui, je suis à... D'accord. Ah non, pas du tout, c'est pas par là. C'est de l'autre côté. J'ai entendu. Ouais, j'ai entendu le... L'expérience me rappelle ma belle famille qui a un poisson énorme à force de bouffer ses congénères. À cause de ça, il y en a qui meurent de stress. Mais quel enfer. Quel enfer. C'est quoi ce poisson que t'as là? C'est par là après? Ouais, c'est là. Et donc nous, on est là-dedans, je crois. Cette zone. Attends. Ok, là. Et alors peut-être. On est là. Let's go. Ça mon chat. Je viens de me retourner. Il y a l'élite qui me regarde depuis tout à l'heure, qui est à côté de moi. Ça va, Mouchin ? Ça va ? C'est marrant, un chat, quand ça se réveille de sa sieste, c'est vraiment tout penaud. Tu es tout penaud ? Tu es comme Jean-Pierre ? Jean-Pierre Penaud ? hop. Non, mais 3584. Non, il n'y a pas 3584 formes de poissons différentes dans... sur Minecraft. Il y en a beaucoup, mais pas autant. Ah, bordel, la conduite. Ah. En Vincent, c'est le blague du coup, du tout. Ouais, je vois complètement. Je sais. Vous savez, l'humour, c'est mon domaine. Hein. J'ai appris les plus grands. J'ai grandi à base de François Pérusse. Des inconnus, toute cette belle culture qui m'a transmise, voilà, des bonnes choses, quoi. Est-ce que t'envisages un stream en facecam? Mais j'en fais déjà un stream en facecam le dimanche à 15h pour le tournoi Mario Kart, mais le reste du temps pas forcément, pas pour le moment en tout cas, pas tant que je serai, parce que en fait de temps en temps ça me dérange pas. Mais je préfère faire des streams comme ça, je trouve ça plus sympa. Je sais que, comme on dit, pour monter en stream, il faut montrer sa tête, parce que ça ajoute autre chose, machin, blablabla. Mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Coluche, bien sûr, Coluche. Après, c'est vrai que ma référence à moi en humour, ça reste le frérot Bigard. Hein. On a une chance sur je sais plus combien... T'être mordu par une chauve-souris. Donc là, j'entre dans le restaurant, tu vois. Il me dit c'est pour manger. Je lui dis non, c'est pour faire un tennis, connard. Let's go. Je vais laisser le yin et le yang, hein. Il est trop bien. Hein. C'est le mec qui bouffe un plat de pâtes. Il arrive comme ça, il défouraille. Par contre, j'ai oublié de prendre des name tags. Des name tags. De toute façon, je vais les mettre là-dedans pour l'instant. Je vais devoir renommer tous ces poissons, mais quel enfer. Alors. J'ai pas moyen d'utiliser de la bonne mille sous l'eau pour faire spawn des.
Faire spawn des herbes. J'ai un doute. Je pense pas, mais on va essayer. Oh si! Wouh! Oula, et donc. Non, mais ça peut spawn même sur les. Ah oui! Puis une, il y a que la cité de la peur. Que je suis content, j'ai vomi. Et là, je suis hyper content. Hop, on va mettre un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. Un petit truc là, un petit truc là. On est pas mal en vrai. C'est sobre. Mais il y a moyen normalement de remonter. Je l'ai fait tout à l'heure. Come on dude. Ah putain, je peux pas. Je vais pas y arriver. Bon bref, allez hop. Ah c'est... Ça manque de... Comment vous dites déjà? Ça manque de... De quoi déjà? De... J'ai oublié le mot. Vas-y, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, ça manque de... De relief, c'est ça, ouais, ouais. D'ailleurs, t'as vu le moment à la radio de télé où il pète un câble sur le Covid? Oui, non, mais en ce moment, Bigard, il en prend dans tous les sens. Ouais. Ragout, cornichon. Les cornichons aussi, ouais. Faut que je mette les cornichons, c'est vrai. Oh là, mais il est tellement char, il est tellement G-char cet aquarium. Oh, il est G-char de ouf. Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas cette affaire, ça va pas. Ça va pas. Il est trop chargé. Des magma blocs pour faire des cubes. Enfin, des cubes, des bulles, pardon. Ouais. Il est trop chargé cet aquarium. Il fait des mini-structures en coraux. J'ai pas pris de blocs. Ah, j'aurais dû prendre des blocs de coraux, j'en ai pas pris. Ah merde. Des escaliers et des dalles. Bah non. Un peu trop d'herbe. Ouais, un peu trop d'herbe. En effet. Même, genre, j'ai trop géchard le fond quand même. Genre. Genre là, tout ça, ça sert à rien. Je peux les retirer, genre. Paf, paf. On les verra pas que le vert. Ah ouais, c'est faut avoir activé le truc, faut mettre le truc en ultimate, je crois. En vrai, ça va comme ça, non? Comme ma cousine trop chargée. Écoute, ça reste des histoires de famille. Moi, je te laisse gérer ça tout seul. J'ai trop de pickles. J'ai mis trop de pickles. Les pickles, c'est un truc. C'est pas un truc il y a autant que ça. Non, faut que je. On va retirer ça. On va retirer ces deux là. Ça c'est bien, voilà, ça c'est bien, comme ça. Mais que du sable. Non! Non, j'ai gardé mon yin et mon yang, ça par contre. Mais, tout à l'heure j'ai réussi à remonter. Ouais, c'est vrai que de... Avec du dessus, bon. Pour le nom des poissons, tu peux mettre les noms de certains dans le chat. Écoutez, déjà, faut que j'aille acheter des name tags. C'est déjà le. L'élément principal, c'est ça. C'est d'aller chercher des name tags. Et après, on verra. Ça manque d'herbe, mais arrêtez. Quand il y aura tous les poissons et tout, ça suffira. Hein. C'est bien pas qu'il faut être dans le coin pour être boosté, exactement. Tu peux renommer les sauts directement. Ah ouais? God damn! What? Merci Nanox. Rename les sauts, d'accord, j'ai compris les gars.
Après, ça n'empêche pas que j'ai pas de fer pour le faire. Salut les viewers de Nanox. J'espère que les games du AC se sont bien passées. Nous faisons un aquarium. Voilà. C'est vrai que comparé à de l'UHC, c'est vrai que c'est un peu merdique, mais bon, écoutez. Que voulez-vous ? C'est la vie que j'ai choisie. Mais qu'est-ce que je fais ? Un bigard, un Trump. Écoutez, déjà... Hop, attendez, on va se mettre à côté de ça. Alors, on va faire un truc tout simple pour que vous ayez votre pseudo dans les poissons. Alors, attendez, déjà, je vais virer mon chat. Bisous mon chat. Et c'est là que le chat va prendre très cher. Bon, déjà, ça le poisson, voilà. Viatune, je viens de me taper deux pubs d'affilée. Let's go, Nanox. Merci, mec. Bisous. Bonne soirée, mec. Déjà, on va réserver le blockfish à Didou, parce qu'il le mérite. Hop. Donc ça, c'est Didou. Alors, tu veux que j'écrive comment Didou ? J'écris Didou comme ton pseudo sur Twitch ou je le fais d'une autre manière ? Non, on en a un unique, on va le donner pour Didou. C'est mérité. Ah, mais ça va être la guerre, mais je sais, c'est le but. Comme ça, Didou, tu veux Didou classique? Dis-moi. À part si tu veux pas de poisson, et là, dommage. Comme Twitch? Allez. C'est bon, j'ai bien fait? Ouais. Donc ça marche si on renomme directement le saut? Mensonge, il s'appelle pas. Ah si, non, c'est bon, Didou. Hey, my man! Ah, ok, c'est bon. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais sinon, vous avez bien fait. Alors, 450 abonnements offerts, ça se mérite. Bien sûr. Alors après, si on fait ça, du coup, faut que j'en rename un Franky, mais il est pas là, Franky. Au pire, on ira chercher un poisson unique pour Franky. Hop. Alors, j'ai vu quelqu'un utiliser ses points tout à l'heure pour le nom. Bah écoute, bien joué. Attends. Hop. Hop là! Ok. Ensuite. Alors. Là. Non mais attendez! Ah, utilisez pas vos points! Utilisez pas vos points, merde! Attendez, je voulais faire d'autres techniques, merde! Y'a de la pub? Ah bah. Ah putain, mais ouais, mais bon. N'utilisez pas vos points. J'en prends quelques-uns qui ont utilisé leurs points, mais utilisez pas tous vos points. Je vais pas avoir assez d'XP. Non mais utilisez pas vos points. Arrêtez d'utiliser vos points, je viens de vous dire. À partir de maintenant, si vous utilisez vos points, je ne vous compterai pas dedans. Donc n'utilisez pas vos points. Bon. Attends. Au moins que... Ah bah c'est Kilao, ça a mis un message en mode si tu me sélectionnes, bah ok, bah... Si tu me sélectionnes, je vais déserter de manière permanente, donc je ne te sélectionne pas du coup. Hop. Alors maintenant, c'est la guerre des singes. La première personne qui écrit... Saucisson dans le chat aura son pseudo sur le poisson. Attention. Saucisson, un imbécile, bravo. Le chat qui va spammer. Ah merde. C'est bon, c'est un imbécile, bravo. Un imbécile. Je crois que c'était comme ça. Quelle rapidité en tout cas, c'est incroyable. Par contre, il va falloir que j'aille faire un tour à la ferme XP. La première personne dans le chat qui me dit. Allez-y. Nice. Eh ben, écoute, c'est Elie Benol. Attendez. C'est Elie Benol, hein, directement. Bien joué. Alors, je vais marquer juste Elie Benol. Hein. Je vais pas mettre T-Corp.
À part si tu veux T-Corp. Tu veux le T-Corp forcément? Ah, avec le délai, je sais que c'est... Avec le délai, c'est piège, je sais. Je sais qu'avec le délai, c'est piège. Non, juste comme ça, c'est bon. 100. Très bien. C'est bon, c'est bien écrit. Illibénol, c'est parfait. Mais il bouge pas. Ah, eh ben, écoutez, c'est Ribex hein, qui se prend directement un poisson à son nom. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est les subs. C'est rien, c'est les subgifts. Merci Ribex pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Eh ben, attendez, on fait un poisson là, au nom de Ribex du coup. C'est pas obligatoire hein, les subs. Hein. C'est pas genre vous offrez des subs, je donne des poissons. Mais bon. Ok, bon, j'en ai pas beaucoup de XP. Hop. Hop, on arrive à TX9 sur un petit poisson rose. Possible de faire un challenge où tu sélectionnes celui qui répond en dernier. Ah, écoutez, j'ai des idées en tête là, je viens d'avoir des idées en tête. Merci beaucoup. Oh, merci d'aller du stream. Ouais, je sais. Au pire, on peut faire des questions. Attendez, je vais changer des questions de culture générale au pire. Comme ça, ah! Ah, là au moins ça vous fera du... Là vous serez dans le mal. Hein. Alors, première question très simple, messieurs, dames. Question pour un poisson, c'est parti. Merde. Attendez. Vous êtes sur question pour un poisson, tu réponds ton nom sur un poisson. Jingle. Ok. Première question très simple. Question très très simple. Je vous demande... C'est vrai qu'avec le délai c'est chiant. Mais malheureusement ça va être compliqué. Je vous demande, messieurs, dames, la capitale de l'Allemagne. La capitale de l'Allemagne pour un poisson vert. Il s'agit de Berlin. Félicitations évidemment à... Alors, attends, c'est qui? À Popo le Tout. Qui remporte son nom sur un poisson. Félicitations. Par contre, à un moment, je vais faire une pause pour aller chercher de l'XP parce que j'en ai plus. Bien joué, bien joué. Félicitations. J'ai répondu avant d'entendre la question. Ah, mais je sais, mais ça va être un enfer. Hein. Je sais que ça va être horrible pour certains, mais je suis désolé. Hein, mais faut faire au pif. Hein. Papala. Citez-moi. Question. Dites-moi qui, en 2011, était le PDG d'Apple. Je veux le PDG d'Apple en 2011. C'est pas compliqué. Oh putain, ça va être un enfer pour trouver la réponse. Ah, non, toujours pas, je la vois pas. Non, toujours pas, ouais, toujours pas. Et non, c'est pas Steve Jobs. Bah non. Mais non, toujours pas, vous l'avez pas? Ah, elle est dure celle-là. Hein. Eh ben voilà. On l'a, stop, arrêtez tout. Pardon. Je vais quand même vérifier. Attendez, je revérifie quand même. Pour pas qu'il y ait de malheur. Mais je pense que nous avons un gagnant. Il s'agit évidemment de. Il est où? Il est là. Félicitations, tu as gagné. Satoya, tu as gagné ton nom sur un poisson. Bravo. Eh, on gagne des gros trucs ici quand même. Hein. C'est pas mal, non? J'adore ce jeu. Ah, je sais. Je sais que vous êtes là pour le plaisir. Par contre, XP, ça va être un enfer. Mais non. Trop content d'avoir un poisson. Let's go. Merci Juan Pedro de la Cabra. Qui irait évidemment? C'était le mystère. Bravo, félicitations. C'était le poisson mystère. C'est le resub. Et du coup, c'est le poisson à ton nom, bien sûr. Juan Pedro de la Cabra, bien sûr. Oula. Non, pas Pedro, non. Juan Pedro. Attendez, je vais essayer si j'ai bien écrit. Ouais, c'est bon. Attends, tout ça pour des poissons, quoi. Merde. Petite pause. Faut que j'aille chercher d'XP.
Jerry Sub aussi. Allez, vendu. Chercher d'XP. J'avais oublié cette étape. Calmez-vous, y a pas de question. Calmez-vous, pouvez-vous détendre. Don't stress, guys. Don't stress. Encore des réserves de poissons, vous inquiétez pas. Marcel Pagnol, calmez-vous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de sub pour avoir un nom sur un poisson. Hein. C'est juste que des fois, il faut remercier les gens en donnant des noms aux poissons. Mais on fait évidemment des trucs aussi pour les non-subs. Hein. Jacques Chirac, c'est la bonne réponse. Non, j'avais pas de question. Désolé. Il n'y avait pas de question en cours. Aïe. Moi, j'ai pas d'argent. Bah voilà, c'est pour ça. Et bon, ce serait dégueulasse de jouer comme ça. J'ai la flemme de sortir mon Ender Chest, je vais juste aller chercher des diamants comme ça. Mais au secours. C'est la fête! Ah, c'est Steven Feneux pour le sub offert à Didou. C'est vrai que Didou il a offert des subs, mais il sait même pas sub. Y'en a plus. Tu déconnes. Ah. Ah. Ok. Je pense qu'on sera pas mal avec ça. Oh, le chat est en folie. Un chat en folie. Bon alors, attends. Attendez. Calmez-vous. Actuellement, on ne peut pas donner de nom à des poissons là. Donc calmez-vous. Je vais tellement faire laguer le serveur avec mes poissons de merde là. J'avais oublié ce petit détail. C'est pas grave. Si on paye la pub, ça fonctionne. Hein. Bah non, parce que du coup, je sais pas, je fais pas attention à ça. Ceux qui ont du délai et qui ont abandonné. Mais je sais bien, je sais que c'est compliqué. Je sais, c'est ça qui est horrible. Mais il faut que je trouve des alternatives. Mais j'en ai quelques-unes en tête là. Hop, bon. Je compte celui-là évidemment parce que bon. Bon, je mets pas tous les noms. Hein. Enfin, je mets pas tous les numéros. Je mets que Steven Feneux si tu le veux bien. Pire, si tu le veux pas, tu me dis. Puis je remettrai les numéros. Attention, je choisis en random, je ferme les yeux. Dès que c'est fermé, dès que ça s'arrête le jingle, je prends. Au pif. Ah. Stop. Et c'est... Oh, bien joué, évidemment, à... à Blaireau69, bien sûr. Hein, qui, grâce à ce magnifique... Oh. Chope un poisson à son nom. Bravo, bravo. Vive le hasard. Vive le hasard. Ah, je vous ai pas prévenu, mais bon, ça marche comme ça. Hein. Ça marche comme ça aussi. Hein. Hop. Tu peux pas faire des tirages au sort avec Twitch. Est-ce que je peux faire ça? Je sais pas si je peux faire ça. Je vais faire un shuffle ou un truc comme ça. Attendez. Gérer votre chat, machin. Je sais pas si je peux faire ça. Non, je sais pas. Si je dois sûrement pouvoir le faire, mais je sais pas comment je fais. J'adore Chartres, c'est vraiment la plus belle ville de France et j'adore aussi sa région. Ah bah voilà. Ah, quand ça me parle comme ça, j'apprécie. Ah bah voilà. Merci de faire vivre les belles. Voilà, le bon côté du terroir. Merci. Alors. Prochaine question, et c'est là que vous allez être choqués. Prochaine question, petit jingle. Oh, c'est bon, m'a saoulé.
Prochaine question. Je prends une question au pif. Et c'est là que ça va être le bordel. Je prendrai la 9e bonne réponse. Attention à vous. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? La 9e bonne réponse. C'est pour ça qu'il y a le décalage. Ok, c'est bon. Ok. Alors, 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est Okapa qui remporte. Ouais. Bravo. L'objectif, c'était d'essayer de contrer le lag, mais du coup, non. Je sais pas. Quoi ? Attendez, mon jeu, il est bugué. Allô ? Ok, c'est bon. Wow. Non, c'était pour autre chose. Oui, allô ? Merci Blanca pour les 1000 bits. Ah, j'en ai plus. Hop. Tac. Et Blanca qui récupère également, bien évidemment, un poisson à son nom. Bravo. Je mets que Blanca, évidemment. On garde le même principe. Bon, attendez, déjà, je vais aller poser ces poissons-là, parce que j'en ai quand même beaucoup, déjà. Oh, l'aquarium, ça va être un bordel. Oh, merde. Ah, j'avais pas pensé à ça, ouais. Oh, ça va être un bordel sans nom, cet aquarium. Au pire, s'il y a trop de poissons, on mettra un puffer fish et puis il fera le ménage. Hein. Vous savez comment ça marche. Hein. Le serveur, il va exploser. Hop. Alors. Il m'en reste beaucoup quand même. Ah oui, il m'en reste tellement. Désolé Aurélien, le serveur va péter à cause de moi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de moi maintenant? Genre tes vidéos Happy Wheels, tu sais. Oh, ça par contre, ça marche pas. Putain, mais ça va partir en truc où celui qui donne des bits a son nom. Mais je suis obligé. Mais merci du coup. Merci beaucoup, mais bon. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est horrible, mais bon, c'est ça. Hein. Je ne peux pas ne pas donner de nom à un mec qui lâche 10 balles, quoi, au bout d'un moment. Tu feras un récap des noms de poissons? Bah écoutez, on verra, ouais. Plus gros don en bits, gagne le nom. Non mais ça va, non, ça je veux pas, non, ça c'est bon. Là vous voyez, c'est des gens qui font de leur plein gré, c'est pas en mode, je suis pas là à vous dire, celui qui file, tant de bits, parce que si j'ai une valeur, je sens bien qu'il y a un mec qui va dire, tiens c'est bon. Gagne un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Putain, mais dis tout. Mais t'as déjà un poisson, dis-nous, je peux pas. Je t'en mets un autre. C'est ça le truc. Ah, attendez. Alors, attendez. La 5e personne qui a été sub par Didou gagne un nom. 1, 2, 3, 4, 5. Octocube, bien joué. Je sais pas s'il est sur. Je sais pas si c'est sur le chat, mais bravo. Alors, ouais, moi j'y vais random. Hein. J'ai un peu la flemme de faire des objectifs pour chaque truc. Hein. Ok. Octocube. Attends, merci. Faut que j'écrive bien. Attendez. Octocube. Eh oui, le hasard se fait partout. Et ça envoie 10 000 bits, je tente. Et c'est bien joué. Le problème, c'est que je sais que certains vont être en mode, ah bah si ça marche, je le fais aussi, mais non. Ça marche qu'une seule fois, bien sûr. Alors, au suivant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Impossible d'avoir un pseudo. Ah, mais je sais que c'est horrible, hein, mais j'essaye de réfléchir à des trucs différents à chaque fois, mais je vous jure que c'est trop compliqué. Hein. Merci, Didou, pour le sub de tier 3. Ah, merde. Offert à tiers. Tier 1, 2, 3, 4 qui reçoit un sub tier 3. Bah, je suis obligé. Je suis obligé au bout d'un moment. Je suis obligé. Ah, ça c'est chiant par contre. Je suis obligé, on lui offre un sub tier 3 au bout d'un moment. Moi je. Le problème c'est que c'est mon. J'ai vraiment pas de. D'enclume. Moi j'ai pas d'enclume. Quel enfer. J'ai fait ça. Ça part en couille.
Je peux en réserver un pour avoir balancé un coup du question pour un poisson. Écoute, on verra. Je vais attaquer moi. Putain, mais je sais pas. Qu'est-ce que je peux trouver comme truc? Merde, j'ai coupé la musique, pardon, excuse-moi. J'ai une idée. Je vais vous faire écouter un bruit. Et je veux que vous me disiez de quel animal ça vient. Je sais qu'encore une fois, les gens qui ont le délai vont se faire avoir, mais bon. Malheureusement, c'est vrai que pour la majorité, c'est compliqué de trouver. Hein. Alors ? Eh oui, c'est un... Ah, c'est un coq ! Eh oui, c'était un coq, puisque c'était le bruit du matin. Donc c'est Nicob. Bien joué, Nicob. Bien joué, Nicob. Nicob, la tortue rouge, donc on va mettre un poisson rouge. Bien joué. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, hein. C'est vraiment... C'est du shot fired, quoi. Sur, Oh, c'est difficile. Je sais, non mais c'est... C'est compliqué, je sais. Hein. Je sais que c'est compliqué. Hein. Ah ouais, par contre, évidemment, je pense évidemment aux gens qui ont déjà un poisson à leur nom. Ça ne marche pas deux fois. Hein. Évidemment, si vous avez un poisson, vous avez déjà gagné ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant d'intéressant? Pourquoi nommer un poisson avec son pseudo alors qu'il peut s'appeler Chasuble? J'aurais pu l'appeler Chasuble, c'est vrai. J'ai le délai, c'est injouable. Eh bien, GG Super... Oh putain, merde. J'allais dire, GG Super Trix, tu as gagné un poisson à ton nom. Y a pas de préférence ou quoi, c'est vraiment j'y vais random. Hein. Merci Super Trix pour ce... Bravo Super Trix pour ce poisson. Et merci évidemment à Clem Sidieu pour les 5 subs offerts à cette communauté. Qui le mérite, bien sûr. Hein. Les gens sont là au bon endroit au bon moment. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? J'abandonne, j'ai plus de points. Eh ben félicitations, tu es à la rue, mais au moins tu as un poisson à ton nom. Putain, mais c'est... Ça va vite cet enfer, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, du coup? Non, les proutes, je prends pas, non. Team de Midal, c'est accepté. Team de Midal, c'est accepté. C'est pas mal. Bravo, bravo. Attends, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends, mais faut que j'ai des idées. Je sais. Je vais vous faire écouter une musique en 8 bits. Donc une version non copyright. Et vous devez trouver laquelle c'est. Ok. Normalement, je devrais pas avoir de problème de droit d'auteur. Ok. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est pas musique de jeu. J'allais dire je veux le nom du groupe et la musique. Et je crois, si je dis pas de bêtises, merci pour le train de hype, évidemment, merci beaucoup, merci à vous. Je crois bien que nous avons... attendez, je vérifie quand même bien en haut quand même. Je vérifie tout ça. Et je dirais que c'est évidemment MJ Alvard qui gagne ce poisson. Il s'agissait évidemment de Slipknot, avec leur magnifique morceau, qui s'intitule Psychosocial. Ah non, c'était... Ah, t'as marqué antisocial ! Non ! J'avais pas vu ! Quelle erreur. Quelle erreur. Tout est remis en jeu. J'avais pas vu. C'est... Ah, Kiki95, tu l'as mal écrit. Je veux le truc nickel. Moi, je veux que ça soit marqué nickel. Quel enfer. Je préfère Antoine Daniel. Bah, dommage. Et Romain, évidemment, qui gagne un poisson à son nom, bien sûr. Non, c'est mal écrit, les gars. Il manque un truc. Vous l'écrivez mal. J'y peux rien, moi. Ah, ok, c'est bon, là. C'est Amazola qui l'a. C'est bon. Ah, mais non, mais les gars, vous étiez à ça. Mais faut bien l'écrire. Bah oui. Vous doutez bien. Bah ouais, bien sûr. Évidemment, ce bon Romain, évidemment, qui gagne également un poisson à son nom. Ça va très vite. Hein. Finalement, j'ai plus me faire des ennemis que des amis dans ce stream. Ça va être la seule fois que je vais faire ça. Parce que c'est plus dangereux qu'autre chose de faire ça. Vu que c'est vraiment très... Vu que c'est vraiment bâtard, finalement, hein, comme,
comme principe. Je sais. Il nous reste 3 poissons. Ok, va falloir trouver des idées. Il nous reste 3 poissons. De toute façon, c'est la faute de Sifano. C'est vrai. Bah si un jour on a trop de poissons et qu'on nous demande d'en tuer, j'appellerai un poisson Sifano et puis il tuera les poissons. Encore du blind test ? Je te demanderai jamais. Un Frankie, mais je pense que pour un Frankie, j'en chercherais un rare, un peu comme Didou. Parce que le poisson que j'ai vu pour Didou, c'est un poisson qui est ultra rare et que je vois pas très souvent. Il est où ? Lui là-bas là. Non, c'est pas lui. Il est où ? Ah, là-bas. Vous voyez ce poisson là ? C'est le poisson qu'on voit pas souvent. C'est un poisson rare, j'en trouverai un pour Frankie comme ça. 3 modos ? Vous voulez qu'on mette les 3 modos ? C'est ça qu'on peut mettre Luc. C'est ça que Luc elle a très souvent, donc on peut au moins mettre un poisson à son nom quand même. Ça c'est... Tu veux que j'écrive comment ? Ouais, je mets ça, hein. C'est vrai qu'on peut mettre un poisson au nom de Luc, c'est vrai. Vous avez bien raison. Tout ça pour finir dans un bocal. Bah écoute, tu sais, il y en a certains, ça les fait kiffer, hein. Il y a des poissons dans mon under chest encore ? Mais non. J'ai pas tout pris ? Ah non. Dommage, bien tenté. En faisant un en l'honneur de ton Pokémon préféré. Oh, j'ai une idée. Je vais aller sur random.org. Vous allez penser à un chiffre entre 1 et 18. Allez-y, commencez à spammer si vous voulez. Entre 1 et 18. Et le random va faire son... Putain, le spam de ouf. Ok. Random.org entre 1 et 18. Le résultat sera... Clac. Le 7. Le numéro 7. Alors laissez-moi remonter le chat pour trouver la première personne qui a écrit 7. Oh merde, je peux pas remonter plus. Ah merde. Ah, alors je suis désolé, je vais faire par rapport à ce que j'ai moi. Là par exemple, je vois que Water a mis un 7, mais Water a déjà un poisson à son nom. Et la deuxième personne, c'est Shine. Qui a... Shine 4. On va dire ça. Mais j'avais oublié que le chat était limité. Donc c'est bon, on a le 7, je l'ai mis. Je suis désolé, mais je fais par rapport à ce que j'ai vu dans mon chat, à moi. C'est horrible, ça n'était pas la bonne idée finalement de faire ça. Putain de merde. Envie de crever. Non mais je sais, mais c'est horrible. Donc il m'en reste plus qu'un. Un poisson renommé le chat pour ceux qui ont perdu. C'est la fin. J'avoue. Ah mais le roupir, salaud, il me restait plus de poisson. Allez. Le roupir. Et vous savez ce qu'on va faire ? Non mais, regardez ce qu'on va faire. On va retourner dans l'océan et on va essayer de trouver un poisson rare et on va le nommer le reste du chat. Comme ça au moins, tout le monde aura eu un petit poisson, même le reste du chat. Comme ça au moins, tout le monde sera content. Ça vous va ? De toute façon, même si ça vous va pas, malheureusement, j'ai envie de vous dire. On peut pas faire autrement. Oui ? Ah, nickel. Cet aquarium, mon dieu. Voilà. Il est pas beau, mon aquarium ? Ah, oui, il est bien fourni en vrai. Hein. Eh ben. J'ai un poisson, même un saumon, ça me va. Ah bah désolé, malheureusement on va stop là. Je vais juste aller rechercher 2 poissons du coup. 2 poissons rares, un pour Franky et un pour le reste du chat du coup. Parce que Franky le mérite aussi, hein. Il me soutient tellement depuis tellement longtemps que... Si au moins je peux lui donner un poisson, si au moins je peux faire un poisson en son nom, ce serait pas mal. Agrandi l'aquarium. Non mais les gars, on va arrêter là. Je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas eu un poisson à leur nom. Je suis désolé, mais bon, c'est le genre de truc un peu regrettable. C'est-à-dire que ça a commencé avec une bonne intention, ça a fini en mode la moitié, c'est des gens qui ont donné de l'argent. Bon bah, mon dieu. Désolé, mais dites-vous que si vous n'avez pas été pris dans les poissons qu'il y a là, vous serez pris évidemment dans le poisson qui s'appelle le reste du chat. Je sais que ça fait vague. Normal, il y a des poissons. Mais bon, malheureusement... Puis être un poulpe. Ah, le poulpe dans un aquarium, non, c'est pas possible. We live in the society, ouais, bah, je sais bien. Hein.
Non, mais j'ai essayé de faire des trucs un peu... j'ai tenté de l'aléatoire, j'ai tenté des quiz, j'ai tenté ce genre de choses, mais... C'est vrai que les gens qui ont du délai, c'est impossible pour eux et c'est horrible. Je vais me coucher, je vous fais des bisous. Bonne nuit, Luna Nova. Pay to win. Ah, bienvenue sur Hearthstone, sur FIFA, sur tout plein de jeux. La banquière à l'abri quand elle va voir le chèque avec les sabres avant du stream. Ah bah écoute, ça va, mais grâce à cette soirée, je vais peut-être pouvoir me payer mon nouvel écran d'ordi, écoute, hein, mon nouvel écran d'ordinateur. J'avais une truite. Ah mais... Non, on essaie de prendre des poissons exotiques parce que les truites, c'est pas très beau malheureusement. C'est un pay to win, c'est honteux monsieur, c'est honteux. Je demande réparation monsieur, c'est honteux. Bah mais bon, s'il y a des gens qui donnent de l'argent, je peux leur dire bah non, oh, quand même. Alors, cherchons des poissons qui sont un peu rares ou des poissons qu'on n'a pas encore. Des poissons qui seront uniques dans notre... Oh bah lui tiens. Oh il est beau celui-là. Un triggerfish. Ah bah pour le chat c'est parfait. Un triggerfish. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme poisson intéressant? Ça c'est une rêve que seuls les gens présents maintenant auront. Hein. Parce que, du coup, Ah il y a eux ouais qui sont pas mal. Il y a un... Il est beau celui-là. Attendez. J'allais voir vite fait la page wiki des poissons tropicaux. Enfin des poissons, voir s'il n'y a pas des poissons vraiment qui sont rares, qui spawnent vraiment de façon rare. Parce que je pense que oui. Mais j'en ai aucune idée. Minecraft Tropical Fish. Est-ce qu'on a toutes les races différentes? Ah oui, on a plein. Ah ouais, mais du coup, il n'y a pas des images. Il n'y a pas d'images, malheureusement. Ah là, on les voit tous. Il y a 22 variétés. D'accord. Il y a 22 variétés et on peut peut-être avoir un truc sympa au fond de l'eau. Il n'y a pas de poisson plus rare que d'autres. We love you. En gros, la ref, si tu veux, c'est que on a fait un petit jeu, si on peut appeler ça un petit jeu, qui était que du coup, j'ai fait un aquarium, j'ai donné des noms à des poissons, et du coup, j'ai fait des questions, machin, pour que le chat ait une chance d'avoir un poisson à son nom. Et vu que là, on a assez de poissons dans l'aquarium, je cherche un poisson rare qu'on va appeler le reste du chat. Pour que tout le monde ait au moins une petite présence dans cet aquarium, quoi. Vu que c'est un jeu infâme de faire des questions ou des trucs comme ça sur un chat Twitch, avec le délai de certains, forcément, ça casse un peu le truc. Je peux être un canard. Mais arrêtez vos conneries. N'utilisez pas vos points, les gars. Je mets pas de nouveaux noms de poissons. Ah tiens, il est là le Franky. Ah oui, j'en ai plein. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme poisson qu'on n'a pas? S'il y a 22 espèces, j'en ai 4, donc au bout d'un moment... Qu'est-ce que vous voulez comme joli poisson, le chat? Vu que c'est vous aussi hein, qui comptez. Ah non, le chat, c'est vrai que je vous ai pris celui-là, oui. Alors, il y a un autre poisson que vous voulez? Oh, celui-là! Oh, il est beau celui-là. Oh, le bleu là. Oh oui. Oh oui. Le dauphin, mais on peut pas mettre de dauphin là-dedans. Ce serait cruel. Un poulpe pour le reste du chat. Alors, c'est pas que je veux pas, mais c'est que c'est chiant à ramener. Hein. Une tortue. Mais c'est trop chiant à ramener les tortues. Et comment je ramène moi? Justement, non, c'est bon. Alors, vous continuez comme ça, vous aurez le triggerfish. Hein. Ça vous ira très bien le triggerfish. Hein. Mmh.
Est-ce qu'on prendrait pas des petits coraux comme ça pour faire des petites des petits bonus? Ouais, je pense. Ouais. Hop, on va prendre du bleu et du rose. Un peu jaune. Oh, il est rare celui-là. Attends. Ah mais non, je l'ai pas celui-là. Eh ben nickel, regardez, on a plein de poissons différents. Mais un œuf de tortue, il va éclore. Dans l'eau, il va éclore. Où est-ce que je peux récupérer des autres tortues? J'en ai chez moi. On va vérifier ça. Oui. Ah, mauvais côté. Un drone-aide. Un petit drone-aide. Petit drone-aide pour représenter le chat. C'est pas con, j'aime bien l'idée. Elle va mourir. Bah voilà, bah, ne faites pas mourir des tortues. Ah mais c'est pas mal, on est pas mal au niveau poisson. Après si vous voulez on met un drone-aide. Hein. Mais bon... est-ce que vous voulez vraiment être représenté... Le reste du chat veut vraiment être représenté par un drone-aide? Parce qu'après on va dire que l'idée vient de moi alors que non. C'est vous qui voulez que je mette un drone-aide pour vous. Je peux pas mettre une tête d'hyper sous l'eau. Oh si, je dois avoir une tête d'hyper qui traîne. Ah bah tiens, regardez. Le fameux village dont je vous parlais. Il est là. Un drone-aide parfait. Non, mais non, non. Non, non. Bah au pire, Luc, vas-y, fais un straw poll. En mode, qui pour représenter le chat, tu mets drone-aide, triggerfish, ou le poisson bleu. Tu mets ouais, poisson bleu, triggerfish ou drone-aide. Hein. Par contre, si vous mettez drone-aide, vous allez pas assumer. Hein. Ouais, mais après, est-ce que le drone-aide, il bute pas les poissons? Est-ce qu'il risque pas de buter les poissons? Et si c'est toi qu'on veut? Bah malheureusement, je veux bien me mettre dans l'aquarium, mais je vais mourir en fait. Il attaque que dalle les poissons, comme poissons. Si, non, je sais pas, bon. Ce sera la vengeance du chat, non mais ça va aussi. Des menaces de mort carrément sur mon chat? À moi? Super. Vous savez quoi le chat? C'est moi qui vais décider. Finalement Luc, te fais pas chier. Te fais pas chier Luc. C'est moi qui vais décider, puisque vous faites les malins. Il y en a pas un seul, ça me dégoûte. Mais allô la poiscaille? Vous allez être un vieux code de ces morts et puis voilà. Hein. Parce que vous faites les malins. Vous serez un vieux code de ces morts. Mais bon, vous serez un poisson unique dans cet aquarium. Bon, allez, on va en chercher un tout à l'heure. Ah bah bravo. Ah bah vous l'avez cherché hein. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Une truite? Non, une truite c'est bien trop beau pour vous. Non. Ah non, c'est... Ah, vous serez un code tout banal, tout dégueulasse. Ça sera très bien. Une truite, non mais on est où là? T'as même le code. Ah écoute. Truite égale code. Ah oui non, je confonds avec le... Bah, oui non, je confonds avec le saumon. Non, c'est une carpe le code de ça. Non, truite c'est le saumon, oui ça. Ouais. Pour moi la truite c'est le saumon, oui. Un nénuphar. Le vieux nénuphar, le chat. Un poulpe, mais le poulpe je peux pas... Comment je fais pour le ramener? On peut pas mettre de poulpe dans un seau. Un petit chais sonore. Poisson clown. Il y a déjà des poissons clowns dans l'aquarium, ça n'est pas unique. Mais une vache, elle va mourir. Mais pensez à des trucs qui peuvent respirer sous, enfin rester sous l'eau. Une vache, c'est cool. Putain de merde. Ah, mais vous serez un vieux code et puis voilà, ça suffira. Un pufferfish. Non, le pufferfish, ce sera... Si on met un pufferfish, c'est qu'on a besoin de buter des poissons et on l'appellera Siphano.
pour, évidemment pour le plaisir. Aïe aïe aïe. Un guardian, mais non, mais pas un guardian, non, mais non. Vous êtes pas net. T'es pas net, Guillaume. Hop. La vache. Même le jeu ne veut pas que je vous renomme sur un code, quoi, genre... La poiscaille. Mais la poiscaille. Mais la poiscaille. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Y a pas un seul poiscaille. Mais qu'est-ce que... Y a pas un seul poiscaille. Félicitations! Il a eu les zombies villageois, ça y est! He did it! Ah, un fantôme sinon? Un fantôme sous l'eau? Merde, mais je veux juste un code tout nul! Je ne veux pas l'aumône, je veux juste un code. Ah mais je sais où je peux en avoir, je pense. Là. Y a aucun poisson qui spawn. Bon. Ah, il m'a croqué. On va hop. Pierre FK c'est carré. Ouais, ça aurait pu, ça aurait pu. On va attendre que ça décharge. Hop, et on recharge. Mais. But. Mais pourquoi je galère autant à avoir un code? Genre. Mais c'est une honte. Combien il veut qu'un poisson tout banal? Bah j'ai bien compris, ouais. Après, hé, non mais... Vous êtes en mode, c'est un poisson tout banal. Mais ce sera le seul de l'aquarium. Donc ce sera banal, mais unique. Donc en vrai, vous êtes gagnant. Non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est pas mal. Mais quel enfer, mais pourquoi y'a pas un petit poisson à la con qui va spawn? Une pépite de merde dans un tas de lingots d'or. Bah, hé, au moins c'est être unique. Le triggerfish à ce niveau-là, il sera très bien. Ouais, mais bon, est-ce que vous méritez vraiment un poisson tropical? Bon, je sais pas. Hein. Oh, une petite carpe toute pourrie, sera très bien pour... pourrie, mais unique. C'est vrai qu'on oublie très souvent, mais du coup... Ce sera une carpe toute simple, mais unique. Donc, pas mal. Tu penses qu'on est unique? Vous êtes incroyable. Et je le pense quand je le dis. Hein. Ouais, ouais. Je le pense vraiment. On n'est pas unique, on est 450. Ah, vous êtes 450 à être unique. Pas mal, non? Mais ça dégoûte, par contre, en vrai. Hein. No shit, maintenant, là, c'est ça dégoûte. Bon bah ça dégoûte. Ça dégoûte en tout cas. Ça parce que j'ai chargé plein de zones et du coup il y a des poissons partout. Ouais ça. C'est vrai qu'il y a des trucs sur des poissons qui sont tout pourris de base mais qui deviennent des dragons. Regardez Magikarp. C'est un poisson tout banal, mais qui devient un truc incroyable. Bon, le poisson bleu, je vais laisser pour Franky, parce que c'est il le mérite. Est-ce que j'ai bien écrit? Ouais, Franky, c'est bon.
Voilà, le poisson bleu, c'est Franky. Ouf, merci Little. Je vais remettre tout ce que tu as fait cette année, c'était cool à suivre, constructif et tout, j'ai toujours eu envie de voir la suite beaucoup plus que ces épisodes PVP, GG. Merci beaucoup Little, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci à toi de suivre, finalement. Oh, il est beau. Ah ouais. Regardez-moi cet aquarium. Pas mal. Vous voyez un petit code là-dedans, là, ce serait pas mal. Un petit code pour vous représenter. Je trouve que ce serait pas mal. Oh, ça lag tellement par contre. Les poissons ils lagent. Oh la vache. T'as pas ça, tu mets dans ton item, dans une item frame. Le cadavre du chat. C'est dégueulasse. Tac. Voilà. On peut mettre un truc comme ça, genre. Ah, le serveur il prend tellement de tarifs. Je crois qu'on va me taper sur les doigts, je pense. On va avoir plein de petits noms par ici. Oh, le serveur il est mort. C'est vrai qu'il bouge pas. Bah, le serveur a un peu de mal. Du coup. Ah, c'est Shuka qui a réduit leur IA. Oh, très bien, d'accord. Ah, bah, c'est normal du coup alors. Non, j'ai eu peur que ça fasse laguer le serveur, mais du coup, non, ça va. Après, ça se trouve, ça fait laguer le serveur, mais. De toute façon, je vous ai dit, hein, si ça fait laguer le serveur, on mettra en place le protocole Siphano qui sera juste un peu furfish, qui éliminera des poissons au pif. Y a pas de code, hein. Malheureusement. Vous savez quoi, vu que c'est pour vous, je vais aller chercher. C'est pas que les poissons ont 4000 de ping, c'est qu'ils ont 4000 de QI négatif. Déjà qu'un poisson de base, c'est pas incroyable. Alors là. Regardez, alors en plus, ça spawn, hein. C'est pas comme si ça voulait pas spawn, c'est juste que. C'est juste qu'il y en a pas. Non mais ça se voit les codes dans l'eau, ça se voit. Faut juste... Je longe la flotte et dès que je vois un petit code, on le prend. Hein. Mais c'est juste qu'il n'y en a pas qui spawn. Là. Il n'y en a pas un seul qui spawn. Il n'y a pas un océan pas loin. C'est des entités qui fait que ça lag à mort pour rien, ça dépend pourquoi. Bah justement, je verrai. Hein. On verra. Si vraiment il y a des soucis de serveur quand je fais le musée... Je ferai en situation. Après, ça va être gênant quand je serai là, mais quand je suis pas là, au pire, la zone elle est déchargée, donc. Donc ça causera pas tant de problèmes. Le code, tu vas pas l'appeler créateur plutôt ? Bah non, mais non, le code c'est pour vous. Vous êtes pas des créateurs, vous êtes des viewers. Bon, certains font du stream, certes, mais je veux dire. Pour la majorité, vous êtes les viewers. Donc. Faut bien que je donne un nom pour vous tous. Le code créateur, mais j'avais compris. Hein. Bon bah... Comme quoi, hein, compliqué d'avoir un code. Le code Forlan, oh merde. Et je mets une tête dans l'eau qui s'appelle une carte Google Play. Non. On va pas faire ça. Mais il y a pas un seul poisson. Bon bah. Putain, j'ai cru que ça était un code, mais non, c'est un lapin de mes deux. Lapin de mes deux. Ah. Putain, il drop la tête. J'hallucine. Je me rends compte que j'ai eu plus de chance d'avoir la tête sur un lapin que de voir un code apparaître. C'est quand même un scandale.
le code de la route. Let's go. Le Araxim lapin aquatique. Ouais, mais je l'ai pas voulu le garder. Mais c'est fou quand même. C'est fou quand même de pas trouver un seul code. Quand on en a pas besoin, on envoie des milliards, et quand on en a besoin, il y en a zéro. C'est vraiment... vraiment un jeu de con. Il est 1h du matin. Oh merde. Oh, j'avais pas vu l'heure. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Oh. Oh, je m'amuse tellement. Ah ouais. Bon, bah, écoutez... Bah, je vais vous mettre sur le trigger fish, hein, et puis voilà. Hein. Et au pire, si je trouve un code plus tard, on vous mettra à la place, et puis voilà, point. Trop besoin les poissons. Ouais, c'est vrai que c'est des barres. On se tape des barres. Après, il me reste le dotibac aussi. Ah, et je sais, ouais, je sais à qui on va le donner. Ah, ok. Oh, la zone, ça... Putain, le jeu, il a du mal à charger, hein, vache. C'est pas mes poissons, hein, c'est pas moi. Oh, et c'est Bazon qui arrive. Putain, mais en plus, ce qui est fou, c'est que j'allais faire ça en plus. En hommage. En hommage à Bazon, je voulais nommer ce poisson Bazon. Bah écoutez, c'est nickel. Vu qu'il avait réussi les zombies. Merci Bazon pour ton host. Merci beaucoup. Et du coup, le trigger fish, vous êtes, sera le reste du chat. Bien sûr. Le reste du chat Twitch. Ça, tout le monde aura sa petite marque. Et voilà. Nous avons maintenant un aquarium qui va faire juste laguer le serveur. Et voilà, vous êtes là, regardez. Vous êtes là, le reste du chat. Alors, quelqu'un qui regarde Twitch, parfait. Alors, le récap, nous avons Satoya, nous avons Aizen, Okapa, Romulus, Ribet X9, pardon, j'ai galéré. Steven Feneux, Didou, le grand Didou, Water, Juan Pedro, de la Cabra, Yolak, Golden Fox, Tierra 234, Shin 4, ou Shine tout court. Oh, il y a Frankie, ça, Frankie, c'est quoi ton icône? 200 000 bits, what the fuck. Regarde, Frankie, t'as un poisson à ton... Attends, attendez, je vais respirer un peu. Regarde, Frankie, t'as un poisson à ton nom. Regarde, ça te va ou pas, le poisson bleu, comme ça? Il est beau, non? Alors, j'étais sûr. Alors, Supertrix, Octocube, donc Shine, du coup. Luc, c'est vrai que Luc, il a un poisson banal, faudrait que je lui donne un poisson plus classe. Eli Benol, Ryan Harry, Tsono. Un imbécile. Blero 69, pourquoi Blero X? Amurusa. Bazon. Le grand Bazon. C'est ma couleur préférée en plus, le bleu. C'est vrai? Trouve. Ah putain, mais je savais. Clem Sidieu. Blanca. Nombril. Popo le tout. Et Cum. Voilà les poissons de cet aquarium. Évidemment, si votre pseudo n'est pas là, rappelez-vous que vous faites partie de ce poisson-ci. Le reste du chat Twitch. Et grâce à tous les gens présents ici, le serveur va laguer de ses morts. Ça va être vraiment très cool. Une bonne chose de faite. On n'aura fait que ça aujourd'hui. Ça fait giga plaisir de voir que je fais beaucoup de choses en un stream. Hein. Surtout que je fais un stream toutes les semaines maintenant. Hop là. Par contre, s'ils sont tous tassés au même endroit, bon. Il manque le mien. Comment ça, il manque le tien? Ah, je l'ai pas vu? Attends. Où est-ce que tu es? Mais où est-il? Mais
est-il celui-là? Ah, le roupilleur, c'est bon, t'es là. T'es là, c'est bon. Vas-y, Skylupi. Pour tes 100 bits, merci beaucoup. C'est bon, c'est là, le roupilleur. Normalement, j'ai tout le monde après. Ah, il y avait Nicob aussi. Nicob, bien sûr. Nicob. Voici, il manque le mien. Ah, les gars, je suis désolé, mais bon. Il faut limiter. Si je pouvais donner un poisson pour chaque personne du chat, je l'aurais fait, mais. Faut pas aussi oublier que le serveur, faut qu'il survive. Et que là, du coup, ça fait pas mal d'entités au même endroit déjà. Non, mais regardez, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, on a une belle salle. Bon, il y a juste l'ascenseur qui est cassé, mais ça, faut que je m'en occupe. Mais la salle principale ressemblera donc à ça. Très sobre, avec un. On a quand même très sobre en bas. Bon, par contre, les poissons qui sont tous au même endroit, c'est un peu chiant. La prochaine fois, faudra qu'on essaie de faire les murs, qu'on trouve un design sympa, et puis même le toit, de toute façon. Je pense que le toit, on fera. Je ferai un gros lustre ici. Qui redescend un peu plus sur la sur l'aquarium. Fais des panneaux avec le nom de tous les viveurs. Oh. Écoute, on n'y est pas encore. J'aime beaucoup ta déco. Bah écoute, merci pour ces murs en stone, hein, ils sont pas mal. Non mais le sol est cool, vraiment le sol j'aime bien. Ça fait un style. L'ascenseur pareil, faudrait que je trouve un truc pour le rendre plus agréable à regarder. Je pense avoir une idée, mais bon. Ça casserait un petit peu la symétrie. On verra. On a droit à un grade spécial pour les gens poissons. Non. T'as déjà un poisson à ton nom, c'est déjà pas mal, je pense. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous quitter là. Parce que c'est vrai qu'il est déjà 1h du matin, bordel. Merci à vous d'être passé, merci à vous d'avoir joué le jeu. Et encore une fois, désolé à tous ceux qui n'ont pas eu un poisson à leur nom, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Vous étiez beaucoup, vous étiez assez nombreux.